C'est bon. Bienvenue à toutes et à toutes et à tous, pardon. J'ai envie de dire, comment on pourrait dire ça? Fan de Resident Evil, fan de la saga Resident Evil, la prolifique série. Et fan de tous horizons. Et fan de tous horizons, oui. Mais je pense que si tu cliques, c'est parce que Resident Evil t'a attiré. Pour Ah, bah, moi, sur le live. peut-être, peut-être. Oui, il y a des gens qui ont vu Resident Evil et comme en ce moment le 3 cartonne pas mal, Voilà, c'est ça. pourquoi pas? L'idée, c'est qu'on sort de deux sorties de remake d'épisodes quand même majeurs dans la série, le 2 et le 3, comme tu le précises. On enregistre fin avril, voilà, je le dis. On est en live sur la chaîne de Butters. Comme tu le fais souvent ces derniers temps, mais pour une fois tu m'as prévenu, comme ça on est raccord. Parce que des fois tu me le dis pas, voilà, petit coup on se crée de... Ah, au fait, Oui, j'avais enregistré. c'est vrai. Voilà. Donc C'est vrai, je c'est précise, vrai. on est en live, c'est un épisode en live. Je crois que c'est le deuxième, il me semble. Hein. Je crois que t'avais enregistré aussi, t'avais fait en On live avait fait One Piece. One Piece. Ah, on n'avait pas fait le DQ et Ni no Kuni? Je ne sais plus. J'avoue que j'ai un doute. Ah, je croyais. J'ai un Non, j'avais un doute. doute. Peut-être que c'est moi qui me trompe aussi. Donc, eh ben, on va classer les épisodes majeurs, on va dire. On en a 11. Ouais. 11 épisodes majeurs. Et on va en À peu profiter près, pour ouais. discuter de la série. Je pense que vu que la tâche s'annonce lourde, je pense qu'on peut le dire comme ça, on va démarrer de suite avec l'épisode 0 parce qu'on a décidé de le faire de façon chronologique et surtout de suivre l'histoire de Resident Evil pour remonter le temps et puis se rappeler de nos souvenirs tant qu'à faire. Voilà, Voilà, partager nos souvenirs, nos expériences, devrais-je dire, parce que notre voilà expérience. notre expérience, nos souvenirs d'enfance, voilà quoi, notre découverte. Donc on commence avec Resident Evil, hein, le jeu où on redécouvre un épisode, un personnage secondaire qui est... Attends, Resident Evil 0. C'est ce que j'ai dit? Non, t'as dit Resident Evil. Ah merde, pardon. T'as Resident oublié Evil 0, oui, zéro en 0. fait. Un préquel de Resident Evil, voilà. C'est ça, Où avec on... Ah non, oui, non, mais parce que j'ai dit qu'on retrouvait un personnage de Resident Evil. Parce que à l'origine, cet épisode, comme il est sorti après, le personnage de Rebecca Chambers, nous, on l'avait déjà découvert dans Resident Evil. c'est ça. Voilà, c'était ça Et comme ça, au le moins, truc. vous savez un peu c'est quoi la vraie chronologie en fait. Puisque dans Voilà, on Resident va. on en reparlera dans Resident Evil 1, pardon. Donc Resident Evil 0, c'est Qui les l'équipe prémices du carnage de Raccoon, on peut c'est le dire comme l'équipe ça. Alpha, Bravo. c'est Bravo, donc c'est ouais d'accord, c'est Bravo, B, c'est c'est Chambers. Bravo avec Rebecca Chambers, Enrique, je crois c'est ça. Enrico, non? Enrique, Pas ça? c'est en. Marini? Enrico? Ah. Enrique ou Enrico Marini? J'ai un doute. Enrique, je ne sais plus. Qu'on retrouve aussi dans le 1. Hein. Bah, de toute On façon, oui, retrouve beaucoup. Hein. on en parlera quand on Il y parlera a du 1. Forrest aussi. Il y a Celui qui est sur le balcon Forrest. dans le 1. Je C'est crois que ça. c'est Ouais, ça, bah, de toute façon, c'est Forrest, on en Bravo aussi. parlera de l'équipe. Ah, de toute façon, il y en a qui vont chevaucher dans L'équipe certains bêta épisodes. Hein. quand on va parler du Resident Evil. Donc voilà, Resident Evil 0. L'équipe ça, je dis toujours bêta, c'est ça, c'est bêta? Bravo. C'est Bravo. Ah oui, c'est une équipe militaire, d'accord. L'équipe Bravo envoyée donc dans les montagnes de Raccoon, dans Raccoon City. Le mot harclé, pour être précis, monsieur. Tout à fait. Où depuis quelques jours, quelques temps, on va dire, il y Il y a aurait des disparitions, des attaques des de meurtres, monstres, je crois. des attaques Voilà. d'animaux féroces, où des randonneurs, des joggeurs se sont fait défoncer. Et donc l'équipe va enquêter en L'équipe fait. va dans la forêt.
va Là où enquêter. on sait qu'il y a des meurtres sordides pas très loin de Raccoon. C'est ça, donc ils vont Mais malheureusement, leur enquêter hélico et... se crache. complètement. Et donc la plupart de l'histoire se déroule dans un train. Rebecca est coincée dans un La train. première partie. Bah, en Oui, fait, le bah truc, c'est c'est ça, comme c'est c'est que... le train remplace le manoir, quoi. Donc C'est ça. Oui, parce qu'en fait, l'équipe se sépare, parce qu'en fait, quand il y a le crash, ils pensent que... en fait, quand ils se sont crashés, ils découvrent qu'il y a... comment on peut appeler ça? Qu'il y a... un genre de camp ou un truc comme ça, en fait, où il y avait des militaires. Oui. Avec le train où en fait ils se préparaient à emmener comment on peut dire ils escortaient un prisonnier militaire qui était condamné à mort donc qui est Billy Cohen qu'on va retrouver dans cet épisode vu que ce sera le duo avec Rebecca et en fait la team Bravo se sépare en deux puisque Rebecca elle part d'un côté et les autres membres eux vont enquêter, continuer à enquêter sur ceux ils étaient quoi, sur ceux ils étaient. J'arrive pas à le dire, ah, fait chier cette phrase. En gros, ils se Sur séparent. ce qu'ils étaient venus faire à l'origine. La Voilà pourquoi on les avait envoyés. bonne tactique, c'est ok, on se sépare, chacun va dans son coin et on se rejoint ici à telle date, à telle heure. Et puis finalement, bon bah, Rebecca ne reverra jamais ses amis, enfin ses coéquipiers, puisqu'elle va finir dans un train. Donc Bah, elle finit le dans un train pour après, en fait, c'est elle là finit dans le centre de recherche ou de formation, je crois. Il me semble que c'est ça la fin du C'est une sorte zéro. de laboratoire. Là où Wesker se cache avant de repartir à Raccoon chercher les alphas pour que les alphas aillent enquêter Aille directement sur le dans le manoir. manoir. Dans le Wesker est manoir. déjà là dans l'ombre Bah oui. avec Birkin, je crois. Je Il me semble. Non, crois, c'est. ouais. Attends, avec Non, qui ils c'est pas sont? Birkin, c'est qui? Bah, je sais que c'est Marcus qui se venge, qui veut se venger. En tout cas, c'est là où ils mettent en place leur opération pour tester le virus G. Non, Le T virus T, encore. pardon. Le virus T, Tu pardon. vas trop vite là, tu vas trop vite. Le virus T, Donc. donc tyran. Et donc ils veulent voir ce que ça donne sur des équipes militaires. Enfin, des équipes. Sur des agents spéciaux, on va dire. C'est l'équipe spéciale des Raccoons, enfin les Stars. Et donc l'unité d'élite, pardon, voilà, c'est le mot que je cherchais, l'unité d'élite. Et donc ils voulaient tester le produit sur face à l'unité d'élite, comment ça marche en fait. Et donc première victime, l'équipe Bravo, la Bravo Team. Bah si tu devrais classer ce Petite, zéro, petite vas-y. particularité de cet épisode. La jeune Rebecca n'a pas de coffre magique à puits sans fond. Les objets qu'elle a en trop, elle doit les poser par terre. C'est ça, bah oui, Donc justement, bah justement, petite j'allais te lancer sur ce genre particularité, de détail. c'est bah quand tu poses quelque chose, faut que tu t'en souviens. Et donc Bah oui. tu fais énormément plus d'aller-retour que dans. C'est ce que j'allais te lancer justement sur cet épisode, pourquoi, où tu le classerais. Déjà pour commencer, vu que c'est le premier, donc c'est un peu compliqué, donc forcément il sera tout en haut, mais est-ce que tu le considères, et pour quelle raison, ou quelle mauvaise raison, comme est-ce que tu le mettrais vers le haut, au milieu, ou vers le bas de la saga Resident Evil? Je dirais au milieu. Bon, il va être premier, mais... enfin là pour l'instant il est premier, mais au milieu parce Ouais, que mais voilà, pour on toi, ton reste dans avis, le en on reste gros. dans le dans la même ambiance que le premier Resident Evil, avec le même système de caméra, pas top, mais qui était quand même pas mal fait pour l'époque où tu à chaque coin de tu passes un coin et d'un coup il y a un zombie parce que tu ne le voyais pas juste avant, il fallait attendre le changement de caméra, tout ça. C'est un truc qui peut rebuter certaines personnes, mais moi j'avais bien aimé et que j'aime encore bien. Et
Ouais, ça permettait de connaître un peu plus Rebecca. Pas forcément, pas seulement la jeune médecin qu'on voyait pop à un moment donné et qui disait surprise, je suis un agent des Stars. Et que... Il venait des crises avec le poison, C'est le ça, venin. c'était elle qui est des crises en fait. Que si vous avez, si vous preniez Jill, c'était quelqu'un d'autre. Alors moi, pareil, je le mettrais au milieu. Alors pour des bonnes et moins bonnes raisons. Déjà parce que c'est pas une grande expérience pour moi. Je crois que c'est le seul jeu que j'ai pas rejoué. Peut-être que je rejouerai un jour avec la HD le remaster parce que c'est les seuls Resident Evil auxquels j'ai jamais rejoué sur ceux d'origine. Donc je pense que je me le réessayerai, même si c'est pas, je sais pas, c'est pas un Resident Evil qui m'attire dans les versions entre guillemets rétro. Alors, Vraiment on est sur la base de la série là. On est ah oui, non, vraiment mais sur moi je l'ai dans mes jeux Steam. Je devais le faire sur ma chaîne, et puis je l'ai jamais fait. Enfin, je l'ai jamais fait sur ma chaîne, et j'avais fait un. Je crois que je l'ai jamais fait non plus en vrai. Et je devais le faire en fait, je l'ai acheté parce qu'il était en. Il l'avait fait en remaster et tout ça, donc je l'ai pris. Et en remake, je crois, ou non, en remaster. Et puis, Remaster c'est HD, ça, alors, parce que remaster. c'est le seul portage qu'il y a. Ouais. Donc je l'ai pris pour le refaire, et puis finalement, bah, je l'ai pas encore fait. Mais je le ferai un de ces jours. Parce qu'il faut se rappeler Sûrement que en live. si on pose les bases, le seul Resident Evil qui est sorti bien après les premiers, à la base devait sortir sur Nintendo 64, puis finalement il a été porté sur GameCube. Et ensuite, il y a quelques années en arrière, 2014-2015, je crois, pour la HD Remaster, donc il est ressorti avec le remaster du Rebirth, donc du 1. Alors moi, j'ai un truc à dire, c'est que c'est un jeu que je trouve beau, sans déconner. C'est des jeux, alors autant comme le 1, le Rebirth, comme il est sorti après le Rebirth, c'est un jeu qui a pas mal vieilli. C'est un jeu qui passe super bien, même encore aujourd'hui. Je trouve même presque plus beau le GameCube que la version remaster HD parce que bah, peut-être que les personnages sont légèrement différents, ça colle un peu mieux. Après les décors, bon, on voit que c'est mieux fini sur la HD remaster, mais je trouve que l'original il a un petit cachet, un petit truc en plus, comme le Rebirth que j'aime beaucoup. Donc je pense que je préfère la version d'origine. Mais après, je suis pas super fan des persos. C'est vrai que c'était cool, on nous file deux nouveaux persos avec Rebecca et Billy, mais je trouve qu'ils sont peut-être moins marquants que quand tu passes derrière Jill, Chris, C'est vrai. Léon, Claire, vu qu'on essaie les persos qu'on avait connus déjà avant. C'est Je pense vrai, qu'ils c'est avaient un vrai. peu moins d'impact. Pour moi, Rebecca, bah, elle était sympa en guest dans le 1, je veux dire, elle avait cet impact-là, ça passait, mais après, en perso jouable, bah, ça m'a moins marqué. Comme j'ai dit, après, peut-être qu'il faudrait que je le refasse pour avoir peut-être un meilleur truc, une meilleure vision du perso là-dessus. Mais après, Billy, bah, c'est un perso, il me semble qu'on ne revoit jamais de toute façon, donc c'est un peu dommage. Après, on nous en apprend un peu plus sur les origines avec le trio Spencer, Marcus et leurs Wesker. jeunes élèves Wesker et Birkin. Mais le problème, c'est que c'est un peu bordélique parce que c'est des trucs comme c'est sorti après. On essaye de nous en donner pour notre argent. Mais c'est des trucs que finalement, dans les autres jeux, tu revois peu. Parce que généralement, c'est une note que tu entends parler dans un jeu par-ci par-là, vite fait, où tu as deux lignes, quoi. Donc c'est pas super important. En fait, le truc que j'aime beaucoup dans Resident Evil, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, c'est qu'il y a un scénario tellement ouf. Parce que finalement, quand tu prends. En fait, le problème de la saga Resident Evil, pour moi, c'est que si tu prends épisode par épisode, tu te dis, ouais, la plupart du temps, t'as l'impression que c'est des scénarios tout bidons, tout pourris, ce qui est le cas quand tu les prends séparément. Mais en fait, quand tu essayes de prendre tout, mais vraiment toute la masse, tout ce qui existe,
que ce soit les jeux, les films, les livres, ce que tu veux, et tu mets tout devant, comme ça, tu jetterais au sol, et tu monterais sur une échelle pour monter d'un étage et à regarder d'en haut, tu vois. En fait, t'as un truc qui ressort, qui est incroyable, parce qu'en fait, t'as un truc qui repart, qui va très loin dans le temps, avec, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, les villages tribaux du 5, quand tu joues au 5, tu sais pas ce que ça fout là, parce que tu comprends la moitié du truc, malheureusement. Et en fait, tu vois que ça part de recherches qui ont été menées par Spencer, Marcus, et il manque le troisième, je sais plus qui est le troisième d'origine. Je l'ai pas là sous les yeux. Si je le retrouve dans la masse d'infos, j'en parlerai, mais je sais que sont trois à l'origine. Les trois mecs qui veulent, justement, à partir de là, quand ils découvrent la fleur qui est citée dans le 5 pour le poison, pour justement faire leur virus, donc d'où tout part les recherches, parce que je dis Resident Evil, là on est dans les années 90, alors, on le rappelle, on est en 98 dans l'épisode 0, au mois de juillet, mais en fait, le truc, l'histoire de Resident Evil remonte déjà dans les années 60, les années 70, avec les recherches, les explorations en Afrique et autres qui ont déjà été faites. Mais en fait, le truc, c'est que toute cette story, en gros, elle est passée dans des notes, voilà, sur deux phrases par-ci, deux phrases par-là. Alors finalement, je trouve que ça se dilue. Ça se dilue dans tout le truc. Et le problème, c'est que Resident Evil, c'est un jeu à l'origine. On est dans les premiers épisodes, c'est un survival horror. Et c'est un jeu où t'as pas le temps de réfléchir à tout ça. Parce que souvent, tu es en train de compter tes munitions, tu gères tes soins, tu gères tes coffres, tu gères le mec qui te court après. Parce que c'est dans le 2 ou le 3, t'as le Némésis, t'as C'est vrai. Monsieur X, hein, t'as les trucs comme ça. Donc c'est vrai que t'es enfermé. Et t'as ce côté-là. Et Et je puis trouve ça dommage finalement. au début, t'es contre des zombies, donc tu gères un peu t'essayes un peu de gérer tes balles, tes machins. Puis un jour, on te dit, tiens, voilà un fusil à pompe. Tu trouves un fusil à pompe, t'es tout content. Et d'un coup, tu vois qu'il y a maintenant, il y a des monstres plus sauvage que les zombies, et là tu te dis ah ouais, là on passe. Je comprends pourquoi j'ai eu un fusil à pompe, parce que là parce qu'au début Bah t'es c'est ça. content, tu butes deux trois zombies avec ton fusil à pompe, tu te dis oh comment ça régale, et puis Ouais, mais finalement après, t'es dans la gestion de tu te rends ressources. compte que ton fusil à pompe il est pas fait pour eux, et donc c'est ça, tu te dis mais putain les mecs ils ont fait des expériences avec le virus. Et après, tu apprends plus tard que sur certains individus, le virus fait des mutations, des machins. Au début, tu as des mecs, on leur met le virus, ils partent en mode zombie. Et t'en as d'autres, tu leur mets des virus, les mecs commencent à avoir des bras énormes qui commencent à pousser et tout. Et après, les mecs font des mélanges de virus, des trucs comme ça. Et tu dis, ah ouais, quand même. Après, ils font sur des animaux, des trucs. Non, mais. Ouais, c'est les. Comment on appelle ça? C'est les savants fous, quoi. C'est les mecs font Ah des. bah en fait Ils ouais c'est font ça, des c'est tests. qu'ils veulent tous leur raison, ils veulent faire des armes militaires, Spencer lui il veut entre guillemets la vie éternelle, donc t'as une lutte de pouvoir de toute façon, c'est ça, c'est qu'il y a un truc politique derrière, Ah ouais, carrément. il y a Wesker, bah c'est pareil, c'est le mec, c'est un fils de traître, à chaque occasion où il peut, il va essayer, on va le voir plus loin encore dans d'autres épisodes, mais dès qu'il a la possibilité, il va arnaquer son employeur quoi. Alors que par exemple un mec comme Birkin, ça va être le mec, c'est vraiment le savant, mais lui il veut essayer de créer des choses, il veut essayer d'avancer et il part d'un bon sentiment de base. Il part pas sur des trucs un peu salauds. Mais le problème ouais de la saga, c'est que bah, en fait elle crée énormément de ramifications et ça te finit souvent en impasse. Et ces impasses en fait c'est des trucs qui restent sans réponse. C'est comme bah, par exemple Rebecca et Billy, tu les reverras jamais en personnages principaux dans un autre épisode parce que bah, ils n'ont pas spécialement plu, ils n'ont pas marqué. Donc c'est des galons d'essai. Et puis le zéro, je pense qu'on est sur Voilà. un épisode finalement qui reprend quasiment l'intégralité de tous les épisodes qu'on a vus avant, parce qu'on a eu quand même une bonne poignée d'épisodes avant qui sortent. Et malheureusement, il passe après ça et je pense qu'il apporte pas de renouveau à la série. Il fait que dans la continuité. C'est un peu ce que je lui reprocherais, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai jamais refait. Donc ouais, je le mettrai au milieu.
Allez, si on passe à la suite, monsieur. Parce que si on passe Alors, un quart d'heure attends. sur chaque épisode, on n'a pas fini. Pro Alors après, on passe proche à Umbrella. prochain Resident Evil. On passe à Umbrella Chronicles. C'est parce qu'entre chaque épisode, je rajoute un petit bruit de zombie, en fait, c'est pour ça. Ah, Pour d'accord. dire que Ah oui, mais maintenant, on oui, change. j'ai coupé ton son, d'accord. C'est vrai que j'ai pas le retour de ton son, parce que Ah sinon ça va oui, être la non, bah, claque sinon ça va orphanique. être le truc. Donc, Donc, Resident Evil 1, attends, Biohazard. entre les deux, monsieur, on a, comme je disais, on a Umbrella Chronicles qui s'incorpore, hein. Je le dis vite fait, voilà. Vite fait, Umbrella oui, Chronicles qui était Umbrella sorti sur Chronicles. Wii en 2007. Voilà, c'est C'est. l'adaptation d'un jeu de tir qui reprend le 0, le 1 et le 3, je crois, si je me trompe pas. Donc en fait, on retrouve un rail shooter, Ouais. si je dis pas de bêtises, qui colle avec les ambiances mélangées, comme on va le revoir sur d'autres rail shooters. Et après, comme tu l'as si bien dit, on se retrouve avec le 1. Donc, je pense, celui qui a démarré la série, le vrai 1 en termes de sortie par date. Oui. Le 1 qui a marqué, bah, je pense, énormément de joueurs. Comme je t'avais dit en off, donc on va prendre pour chaque épisode, les gros épisodes comme ça, où il y a eu des portages ou remakes, on va les classer ensemble. Voilà, pour pas foutre le bordel, parce que sinon ça Ah va être encore oui. plus compliqué. Donc bah, le 1 hein, qui pose la base, on retrouve cette fois-ci la team Alpha. C'est ça. Donc Brad, Wesker, Jill, Chris, je crois qu'il y en a un cinquième, mais je sais plus qui est le cinquième. Bah, et Barry, et il y en a un autre. Non, il y en a un sixième, Joseph? que j'oublie tout le temps. C'est Joseph le sixième? C'est Joseph? Ok. Donc c'est Joseph. Qui fait râler, qui fait régaler les Cerberus. Voilà. Donc bah, Resident Evil, bah, c'est la suite de la préquelle. Donc eux, cette fois-ci, ils vont entre guillemets à la recherche de la team Bravo qui donne plus de nouvelles. Wesker sait ce qui s'est passé, forcément, parce que Forcément. lui, il a tout vu. Mais Wesker veut profiter, en fait, parce que comme on l'a dit, Resident Evil, souvent, c'est des mecs qui font, comme tu l'as dit, c'est des savants fous. Donc c'est des mecs qui ont des virus entre les mains. Et il crée des armes biologiques. Et là, l'intérêt pour Wesker et Umbrella, bah, c'est d'envoyer des gens en surentraînés, parce que les stars, c'est ça, c'est des spécialistes dans certains domaines, et qui vont finalement servir d'antagonistes pour les armes biologiques et pouvoir voir les capacités de ces armes face à des guerriers aguerris. Parce que si tu veux l'utiliser, si tu parles d'armes militaires, tu sais que tu vas les faire s'affronter contre des mecs surarmés sur un champ de bataille. Donc pour lui, l'intérêt, bah, c'est envoyer des gens un minimum équipés et qui vont essayer de s'adapter à l'environnement pour affronter la menace. Ouais, tout à fait. Donc bah, là, on arrive Donc, dans un des plus gros épisodes de la série. ouais, ils sont donc après être attaqués par des Cerberus, donc des chiens zombies, chiens mutants zombies là. Avec la petite scène d'origine, je tiens à dire, Ah je là voulais la là, citer, ah mais la petite scène j'oublierai en full jamais. motion vidéo. Les mecs avec des vrais acteurs et tout. Je sais que beaucoup la considèrent comme kitsch, mais à la base, il faut comprendre quand même que Ah Resident bah, Evil, c'est pas un truc sérieux. c'est de la série Z, hein, quand même. Voilà, on est Mais, entre les deux. ça en reste pas. Ils ont quand même Non, mais pour son trouvé à époque, on faire est sur du truc PlayStation, on est en profond, tout ça, donc. 96, je crois. C'est ça. Si je me trompe pas pour Normalement, le c'est premier ça. épisode, hein. On est en 96 en termes de sortie. On est sur PlayStation, c'est quand même l'avènement de la 3D et autres. Je veux dire, c'est quand même ouais, cette petite intro. Je pense que dans le cœur du fan, quand tu l'as découvert à l'époque, ouais, ça titille un petit peu quand même. Ouais, bah oui. Je veux dire, voilà, c'est ce petit truc en plus. Donc voilà, on retrouve deux scénarios. Parce que c'est vrai qu'on l'a dit avant, on avait un duo Ouais, mais on va plus scène pour d'inventaire. recoller avec le zéro, on va plus se prendre le scénario principal, donc Chris. Oui. Puisque de toute façon, Chris, après, il Non, aurait mais je dû. voulais préciser que Jill, c'était un peu le mode facile, entre guillemets, et Chris, le mode difficile.
quoi. Je voulais montrer voilà ce que Oui, ça a ouais, apporté c'est ça. quand il est arrivé. C'est Parce que c'est vrai qu'on avait un choix de vrai. personnage, mais quel était l'intérêt? Oui. Pardon. C'est vrai qu'on avait un choix de personnage entre Jill Valentine et Chris Redfield. Oui, clairement, le truc. La version. Normal, je dirais. Facile Normal. normal, mais normal quoi. Et Chris qui était la version hard du jeu. Donc avec moins de balles, moins d'aide. Bah, je pense que ce Resident Evil, Puisque Jill est aidée souvent bah, par Barry, et par puis il y a le Barry. système d'inventaire où tu as 8 slots avec Jill et t'en as 6 avec Chris. Et Jill peut crocheter Oui, elle a des serrures. le crochet. Bah, techniquement, j'ai envie de dire, moi, c'est un truc qui m'a marqué dans la série Resident Evil, quand même. Parce que, comme je le disais juste avant l'intro de ce Resident Evil, on a des spécialistes dans certains domaines. Genre, t'as le sniper, C'est t'as le vrai. pilote. Jill, je sais plus c'est quoi sa spécialité à l'origine. Ah bah Mais je sais qu'elle a fait peut-être partie dans le des. crochetage. Elle a fait partie des. Merde, comment on appelle ça? Des SEALs, je crois. Les unités d'assaut voilà de l'armée. Mais la meuf, quand La tu joues Navy, les ouais. jeux, que ce soit Jill ou d'autres persos, ils deviennent chimistes. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ouais, ils s'adaptent en fait. Hein, ils sont bricoleurs, Ils sont mais bricoleurs. des bricoleurs de ouf, hein, parce que, excuse-moi, ils touchent aux machines, hein, ils viennent avec. Les pompiers, Jill aussi. Aussi. Ah, parce que dans le 3, elle éteint l'incendie pour passer, elle met la lance à incendie et tout. Ah, mais je veux dire, c'est des pros, quoi, ils Ah, sont c'est des pros les mecs, polyvalents, ouais. c'est des touches à tout, hein. Les mecs, Mais quand tu regardes leur âge, c'est encore plus ils marrant. savent s'adapter, quoi. Parce que Jill, je pense que ses parents, ils l'ont vendue à 12 ans. À 14 ans, elle est rentrée à l'armée, elle a fait ses classes. À 15 ans, elle est rentrée chez les SEALs Au pour moins. après aller chez les Stars. Parce que je crois qu'elle a 18 ans à peu près quand elle rentre. Dans le 1, elle doit avoir à peu près 18-20 ans grand max. Ouais, Donc c'est. imagine le parcours, c'est un peu abusé. Ils auraient pu la rendre plus âgée, Ah ouais, non, mais la meuf, je trouve. voilà Parce quoi. qu'ils ont un petit peu abusé là-dessus, quoi, Et sur le CV. donc arrivé dans le manoir, Et ben, les tests ont lieu. Christ, Barry, Jill et Wesker. Ouais, parce que c'est les seuls qui arrivent à passer la porte. Non, Wesker, il est pas là. Si, il est là au début. Il se casse après, si tu te rappelles. Ici, il y a la Non, scène d'intro dans le hall, et non, après, il dit lui, en fait, il va voir. il se casse avec. Non, il se casse quand c'est Jill. Parce qu'ils arrivent qu'à 3 dans le hall. Non, il parle au début. Rappelle-toi. Ah non, c'est. Avec Chris, tu as Jill, Oui, c'est parce que t'en as un Chris qui disparaît, et celui qui est Wesker. prisonnier. C'est Barry qui est Voilà, pas c'est là. ça. Et quand c'est avec Jill, Si. Oui, Barry est là. c'est Chris qui n'est pas là. Et tu as Jill, Barry et Wesker. Parce que Wesker, il est là parce que lui, il dit Puisqu'à chaque fois, qu'il s'en ouais, va. il dit qu'il s'en va. Et Là, il y a la on. célèbre on... phrase de Barry qui fait What a mention? Ouais, là Qui m'a toujours on marqué. entend un coup de feu. Chris Voilà, c'est ça. décide d'aller voir. Il tombe sur. Merde, comment il s'appelle lui? Ah, j'ai oublié. C'est Forrest? Non, c'est pas Forrest. C'est celui où il dit Non, Forest, c'est. il n'est plus que Oui, je l'ombre vois de lequel. lui-même. Je sais Non, plus je crois comment pas il que c'est s'appelle. Forest. Il C'est tombe sur. Il Richard, tombe. non? Non, Richard, c'est Non, celui du Richard, serpent. c'est plus tard. Il tombe sur un des mecs de l'équipe Alpha. Non, l'équipe Bravo, pardon. Ah, tu t'embrouilles. Il tombe sur un des équipes de l'équipe Bravo Team qui est en train de se faire bouffer par un zombie. Et il retourne dans le hall pour prévenir Jill et Wesker. Et il se rend compte que Jill et Wesker ne sont plus là. Et il trouve par terre le pistolet de Jill. Parce qu'au début, on a juste un couteau. Donc quand tu veux attaquer le zombie, quand même. Donc tu récupères le flingue et puis là, bah là, t'es parti pour le mode exploration du manoir pour essayer de retrouver Jill et Wesker. Bah là, tu trouves les bases de Resident Evil finalement,
qui est que tu es dans un huis clos, entre guillemets, parce que tu sors un peu, Ah mais tu vas bah oui, de retrouver toute façon, les poncifs de la série. si tu veux sortir par la porte de devant, t'as la tête Et du le chien chien qui qui t'attaque. apparaît et Chris qui dit non, c'est trop dangereux de sortir par là. Parce que là, tu trouves tout de suite. Bah là, ça pose les bases de la série. Hein, Ah parce que bah là, là, t'as carrément. l'ambiance, Là, t'as l'ambiance, t'as le son. c'est vide. Enfin, y a jamais personne. Et dès que tu tombes sur quelqu'un, bah, c'est un monstre qui veut te manger. Donc forcément, ouais. Et puis les énigmes, ils commencent à apparaître et tout ça, donc. Bah, t'as le système d'énigmes, bah, tu retrouves un peu la triptyque, entre guillemets, maison, extérieur court, un peu fermé, grotte, égout, voilà, égout, pour après finir vers le laboratoire. C'est ce que tu vas retrouver dans quasiment les premiers Resident Evil. Mais ce que je voulais enfin, redire au niveau de la chronologie, c'est que deuxième personne de l'équipe Bravo qu'il rencontre, c'est Richard, Oui. qui est mort et qui est défoncé au niveau de ses côtes. Il s'est fait défoncer on va apprendre plus tard qu'il s'est fait défoncer par un serpent. Ouais, le serpent du jeu avec de l'ombre. Et que dans le remake, il est pas mort avec Jill, mais il est juste blessé. Et quand on va affronter le serpent, il vient aider Jill en fait. Et là, il meurt parce qu'il se fait bouffer par le serpent. Chose qu'il ne faisait pas dans le jeu d'origine. Et donc avec Chris, donc il est mort. À un moment donné, on va dans une pièce et Chris se fait asperger par. Il se fait asperger les yeux par Rebecca Chambers, qui est là. Bonjour, je suis là. J'étais caché dans la maison. Alors la meuf vient de combattre des monstres et tout ça dans un train, dans un laboratoire et machin. Et Mais là, si tu joues Jill, par contre, tu la croises jamais. tu la croises pas. Et C'est là, étonnant. c'est pour ça que C'est assez compliqué en c'est termes de ça. timeline qui Et se c'est pour ça superpose et tu autres. te dis bah la meuf elle a peur en fait. Elle dit ouais, il y a des monstres ou des gens bizarres machin qui traînent dans les couloirs. Donc tu dis bah à l'époque t'avais pas fait le zéro, donc tu peux pas te dire ouais bah en fait t'en as affronté plein et là t'arrives dans le manoir et t'as peur? Qu'est-ce qui se passe? Mais donc tu tombes sur Rebecca qui va t'aider sur 2-3 trucs. Après, quand tu essayes de t'évader et que tu arrives dans les égouts, tu tombes sur Enrique. Tombe sur Enrique, ouais, ou Enrico. Enrico, voilà, un latino, Et qui prend sa balle en traître. qui est blessé, qui est dans les égouts, qui a découvert le traître chez les Stars. Et qui prend sa balle juste avant de dire le nom. C'est ça. Après, nous arrivons dans le laboratoire. Non, je suis désolé, excusez-moi, Attends. j'ai oublié Forrest sur le balcon. Ouais, mais il est anecdotique. Il est Ah ouais, si, mais il est quand même anecdotique. il fait partie de l'équipe Bravo, donc voilà, le fait de le retrouver, voilà. Donc il est mort. On l'a retrouvé mort aussi, au final. Et puis finalement, C'est pas une mission sauvetage, hein. il C'est une se mission de réveille. sauvetage pour soi-même C'est dedans. vrai, il se réveille et il est zombifié en fait. Et lui, apparemment, je crois qu'il s'est fait défoncer par les corbeaux. Lui, il a pris cher, ouais. Et Lui, il a pris très cher. donc, bon, après qu'on arrive dans le laboratoire, après moult Bah, dans le fouillages. laboratoire, en fait, t'apprends, c'est les premières révélations de Wesker, hein. Bah après, on en Les rencontre déjà, manipulations avec Barry. on rencontre dans le, dans, dans la, dans le, comment on appelle ça?
Dans la cabane? Dans la cabane en Ouais, bois où il y a la plante 42? la maison secondaire, je sais plus comment ils appellent, le pavillon, je Ou le crois, ou je sais plus comment ils appellent ça. pavio, maison Avec la de... plante 42, oui. Oh là, on apprend. Avec ce Oh, it's Oui, broken. avec le fameux pilote de l'hélicoptère qui s'était barré au début du... Brad. Non, il s'est pas barré parce que c'est lui qui les dépose et il part volontairement. Non, C'était prévu. puisqu'on voit qu'eux, ils sont en bas, quand tu te rappelles avec les vrais acteurs, on voit qu'il appelle l'hélicoptère qui s'en va en disant Brad! Je sais plus trop quoi, et puis l'hélicoptère s'en va. Ouais, mais Après, il me semble qu'il y a une raison pourquoi il part. Il me semble que c'est expliqué qu'il c'est. n'avait pas le Je choix. ne sais plus, ouais, je crois qu'il y a une flippette ou un truc comme Parce que je ça. crois qu'il peut pas les récupérer sur le moment. Et je pense que Wesker aurait On empêché que ça l'entend se vite passe. fait dans la radio, mais la radio elle est cassée. Enfin, on n'arrive pas à le capter. Et puis plus tard dans le laboratoire, bon, on se rend compte que Jill est en prison. Jill est prisonnière. Tu sais qu'heureusement que c'est pas toi qui écris les synopsis, hein. Ah bah oui, non mais parce Parce que que... les gens, ils auront lu un roman, ils se disent, ah putain, j'ai pas encore vu le film. Et je viens de lire 300 pages. C'est vrai. Non mais voilà, on retrouve finalement Jill. Et puis bon, après, moult Moult péripéties, révélations. moult révélations, Wesker se fait défoncer par Tyran, par une des créatures Volontairement, je pourrais qui dire. protège. Enfin, je sais pas, il appuie sur le bouton, Tyran il sort, il le regarde, il lui met une targette. Alors, il faut savoir que dans l'histoire canon, c'est volontaire, c'est C'est un choix. volontaire qu'il En se fait fait, défoncer? ouais. Wesker, sa strat, c'est, rappelle-toi qu'il veut trahir Umbrella. Il veut Oui. se barrer avec le virus T et Progenitor qui n'existe pas à l'époque dans la saga, mais qui apparaît un peu plus tard. Le virus Progenitor qui est censé déjà exister. Oui, c'est ça. Donc, en fait, il veut récupérer Donc il les se fait données, défoncer par... faire passer mort. Parce que forcément, si Ah bah Barry se faire Lestar passer s'est mort voulu quand mourir. tu vois ce que Tyran il lui met, je sais pas si c'est prévu dans le côté faire Si, passer parce que. mort, mais quand tu te fais embrocher par sa main droite, Ben quand si, parce que même. regarde, en fait, le truc, c'est que ce qu'on ne sait pas à cette époque-là, donc je suis d'accord avec toi qu'à l'époque, c'est impossible de comprendre ça. Ah bah Mais en oui. fait, c'est ce que je t'ai expliqué, c'est que c'est tellement mal expliqué dans chaque jeu que quand tu remets les pièces du puzzle, tu te fais ah ouais, quand même. Mais si tu prends tout en regardant de haut, tu te fais ah ouais, bah oui, d'accord. Ah oui, Parce qu'en finalement, fait, oui. on sait que Wesker, c'est pas son C'est vrai nom, parce que c'est le nom du projet Wesker, le projet W. ça. C'est un mec qui C'est travaille 12 enfants chez... qui ont été kidnappés à l'origine et à qui on a fait des tests. Donc en fait, il est déjà un mutant. Lui et celles qui sont considérées comme sœurs et frères, ils sont deux à avoir survécu. Parce que sur les Les 12, il y en a 10 qui sont morts. jumeaux... Donc c'est les deux qui ont réussi. Je sais plus comment ils s'appellent, Alex. non mais leur nom de famille, Ashford, les jumeaux Ashford, c'est pas ça? Les Ashford, c'est ça, ouais. Alexia et. Je sais plus comment il s'appelle le frère. Peut-être Nicolas, ou j'ai un doute. J'ai un doute, mais oui, c'est les Ashford. Et donc oui, donc lui, il est déjà. Il a résisté à Progenitor, plus avant de réveiller le tyran, en fait, on apprend qu'il s'est mis une dose de virus T et que son corps était capable de l'emmagasiner finalement. D'accord, donc Il il a était fait le test. déjà. Bon, il n'était pas sûr à 100%, mais il s'est Bah dit, oui. je peux tester, c'est bon, je suis chaud. Il était déjà en train Donc, de muter, quoi. Donc. c'est déjà un mec qui a absorbé une partie des capacités des virus. Donc, oui, en fait, il était prédisposé à ça. Donc, c'est pour ça que son plan, c'était déjà de résister. Donc après on fuit. Après avoir défoncé le tyran. Non mais monsieur allez plus vite parce que sinon je vous Oui, jure on va non mettre toute mais. la on va mettre la soirée. Hein. Oui, non mais ça y est, Moi c'est je vous fini. dis. Après avoir défoncé le Hein. tyran, on s'en va. On est à 40 minutes monsieur. Donc tout le monde s'en va en fait. À la fin dans la vidéo, on voit qui? On voit Chris, Jill, Rebecca. Ah, Je crois ça que c'est la ouais Barry c'est se fait c'est défoncer, la non? vraie fin. Et Barry aussi. Non, Barry, tu le sauves, tu sauves Et tout le monde. Barry, La ouais. vraie fin, c'est tu sauves tout le monde. Si on sauve tout le monde, donc on est quatre. Si tu le fais bien. Chris, En fait, Jill, faut le faire soi-même. c'est ça. Il faut les Chris, disques Jill, mots Barry pour aller ouvrir les prisons. et Rebecca. Donc, Donc, où est-ce que tu classerais ce Resident Evil 1? Parce que tu sais qu'on est à 40 minutes et ouais. on n'a pas encore classé le deuxième. Bah là, je le mettrais dans en haut Bah, du moi, tableau. Je mettrais je dans le en haut mets du tout en haut. tableau. Ouais. Voilà, pour l'instant, je le mettrai tout en haut. Parce que, comme j'ai dit, bah, c'est un épisode fondateur, c'est le premier, forcément, donc bah, on découvre tout.
On découvre un lore, on découvre une structure, une ambiance aussi qui est reprise dans le Rebirth, qui est encore plus magnifique dans le Rebirth. Le HD Remaster, je l'ai touché vite fait, mais sans vraiment le faire. Mais un peu plus complet, avec des ajouts du Rebirth, notamment à l'introduction de Lisa Trevor, donc qui est la fille du constructeur, de l'architecte du manoir Spencer. D'où le fait que, parce que ça, même ça, c'est expliqué que comment dire, que le manoir, il y a énormément de puzzles, d'énigmes et tout pour traverser. Il y a une logique, il y a une cohérence. Oui, c'est pas. Ce qui est moins logique, c'est pourquoi on retrouve ça dans le 3, dans la ville de Oui, Raccoon, bah en même temps, c'est partout. eux qui Genre, ah, ont j'ai aidé rendez-vous à la mairie. à Attends, faut que fonder je résolve le les. puzzle, mon gars. C'est peut-être eux qui ont aidé à fonder la ville, donc. Ouais, non. Le mec, Oui, s'il parce est. qu'on Le sait mec, qu'en Umbrella. le mec, il était fan de puzzle, il en a mis partout, quoi. Ouais, non, mais là ils ont été un peu loin. Après, on sent qu'il y a une grosse référence à Alone in the Dark, les jeux des débuts d'années 90 comme ça qui étaient sortis. C'est vrai. Jeux français, je tiens à dire hein, quand même. Donc Resident Evil vient de cette classe de jeux finalement. Et ça pose les bases du Survival Horror. Je pense que c'est un chef-d'œuvre hein, pour moi le premier parce que. Il est marquant, il n'y a pas à dire, il est marquant, malgré, même je trouve que le gameplay actuel, bon, il faut s'y faire quand on n'a plus l'habitude, mais ça revient vite. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir cet ADN dans le sang et ça revient de suite pour avoir rejoué au 3 il n'y a pas longtemps, qui a le même gameplay. Je sais que sur la HD Remaster, il y a un choix de gameplay, un peu changer légèrement les Même les trucs. caméras aussi. Voilà. Mais moi, je préfère l'original. Perso, je préfère. Ma version préférée, c'est le Rebirth. Parce que, en termes d'effet de lumière, je pense un peu moins pixelisé. Bah le Ça passe un peu c'est pas mieux. le HD remastered? Enfin le Ouais, HD mais. ouais. Bah Ouais, mais je trouve que moi dans les j'avais HD fait j'avais Remastered, fait une, moi j'avais fait tu une, perds un tout petit peu. comme je disais dans mon let's play à Resident Evil. J'ai fait le tout premier en fait, mais j'ai pas fait le Robert. Donc quand j'ai commencé le jeu, vu qu'ils ont rajouté des pièces, des machins, tu connais tout, tu connais une partie, mais tu connais pas tout quoi. Donc à un moment Ah, donné, ça reprend le Rebirth, donc ouais, t'avais des ajouts. j'étais un peu perdu. Bah, c'est ça le truc, c'est que oui, c'est bien de les refaire pour ceux qui ont fait que le premier, par exemple, refaire le Rebirth ou le HD Remaster, ce qui est plus facile à trouver maintenant. Bah, c'est vrai que oui, tu découvres une nouvelle avancée. Il est un petit peu plus long aussi, je pense, surtout quand tu connais pas, justement à cause de ça, parce que t'as des trucs en plus. T'as des puzzles qui ont des petites variantes, ils ont légèrement changé, donc bah, forcément, Bah t'es ça se obligé de te voit pas remettre. dans ma vidéo, mais à un moment donné j'ai fait une petite coupure, j'ai dû aller voir une soluce parce que Ah, il y a des trucs un petit il y peu avait prise un de truc tête, qui ouais. me manquait en fait, et c'était par rapport au requin. Ah oui. Donc je pense que, ouais, il y a le premier, il n'y a rien à redire. Que ce soit même l'ambiance sonore, Ah oui, non mais c'est incroyable. ah, carrément, Même pour carrément. la première version de base. Après, on avait aussi la Director Cut, que moi j'avais refait sur ma chaîne, Bah moi sorti un an plus tard, non censuré. j'avais que celui-là, j'avais celui-là sur Sega Saturn moi. Ah oui, j'y avais joué sur Saturn. Je pense que c'est l'épisode que j'ai le plus fait de toute façon, et je Ouais, pense que aussi j'ai ouais. joué quasiment à toutes les Et versions, c'est celui-là que sauf j'avais. l'HD. J'avais le Director Cut sur Saturn. Je m'en rappelle, on avait squatté. Mais ouais, je pense personnellement, moi je le mettrais. Il y a de fortes chances que pour moi perso, après on verra Oui. en mettant côte à côte nos avis, moi je le mettrais tout en haut parce que je pense que c'est l'épisode qui m'a le plus marqué, qui m'a apporté le plus. Parce que je pense que c'est celui que j'ai le plus fait à travers les âges. Comme je disais, même le 1, je l'ai refait au début de ma chaîne YouTube. Donc, je veux dire, pour l'avoir refait, j'ai vraiment du plaisir. Ouais, Je m'en rappelais pas vraiment. Je l'ai moi refait aussi. vraiment en blind, juste des vieux Bah souvenirs moi je l'ai d'époque. complètement redécouvert avec le HD Remastered en fait. Et je pense que justement, je referai le HD Remaster. comme je l'ai jamais fait. Redécouvrir le Rebirth parce que le Rebirth bah, je l'ai pas refait depuis début des années 2000 quand il est sorti donc ouais pour moi c'est je pense qu'il y a rien à jeter dans ce jeu je pense que voilà il pose les marques et on en est là donc ouais pour l'instant bah, top 1 hein, tant qu'il n'y a pas de truc mais je pense qu'on va peut-être venir le titiller avec le jeu suivant parce que forcément qui dirait Resident Evil 1 le suivant c'est
Resident Evil 3 avec entre deux un petit coup de Umbrella Chronicles et ou Break, les deux ou Break qui viennent s'intercaler entre les deux, hein, donc ou Ouais. Break, je te laisse en parler le mieux parce que c'est toi qui t'en rappelles un peu plus peut-être, je D'accord. spoilerai le Ouais. détail rapidement, mais voilà, Donc, fais-nous un petit topo rapide, monsieur, rapide. rapide. D'accord. Donc, on va passer à Je te un laisse moins nouveau d'une Resident minute. Evil. Je mets un petit coup de zombie. Alors, donc Resident Evil Outbreak et Outbreak 2. Outbreak 2, je l'ai pas, j'ai pas vraiment joué. J'ai fait plus du Outbreak 1. C'est exactement pareil que Resident Evil, sauf que c'était une sorte d'innovation pour l'époque, enfin pour leur époque de Resident Evil. C'est que le jeu, tu choisis au début ton personnage puisque c'est des inconnus en fait, Joue des citoyens des survivants. de À Raccoon. ce moment-là, c'était plus des survivants que des citoyens. Oui, non Et mais pour dire quel, c'est pas des stars on ou. pouvait même jouer à deux grâce à Internet. Mais à l'époque, le Internet sur la PS2, c'était pas C'était ça. un peu plus compliqué. Oui, parce que le jeu est sorti en 2003-2004 selon le pays. Ouais, et C'est pour nous. Parce que nous, il arrivait tard. c'était les Nous, il débuts. arrivait en Ouais, il septembre est arrivé 2004. tard chez nous. Et c'était les débuts d'Internet. C'est ça, on était sur console en tout cas. Sur On console, était dans ouais. les prémices. Donc, Bah, c'était surtout les modems intégrés, les trucs comme ça sur ouais. console. Et puis Internet, c'était pas comme maintenant avec Ah bah tu on payes n'avait 20 pas la euros Gbox. et tu fais ce que tu veux. Maintenant, avant, c'était chaque fois que tu es connecté, tu payes. Donc, plus Ouais, tu et puis joues, quand plus t'avais tu un ou payes. deux mégas, t'étais content. Ah bah, carrément, carrément, Oui, et carrément. puis c'était pas assez. Le problème, c'est que c'était pas assez. Comment dire ça? Assez déployé Ah sur ouais, le territoire complètement. pour que tu puisses en plus en profiter. Et puis j'ai un doute, il me semble que le modem sur PS2 n'existe pas en Europe, j'ai un doute là-dessus, mais je crois que la version européenne, il me semble qu'elle est biaisée, il n'y a pas une histoire comme ça. Je sais plus. Alors Je t'avoue que j'ai un doute, plus hein. aucun souvenir. Donc on devait s'évader, quitter la ville qui est remplie de zombies et tout ça, donc à travers différents Attends, passages. juste petit break. C'est ça. Les Européens, en Pardon. fait, ils ont été privés du mode en ligne. J'avais bien le souvenir D'accord. de ça. Donc, en gros, nous, on a perdu tout l'intérêt. C'est pour ça On a qu'on perdu tout n'a l'intérêt. jamais vraiment joué. Il n'y a que les Américains et les Japonais qui avaient. Je me C'est doutais bien qu'il y avait un truc pour comme ça ça. que quand on jouait, en fait, on avait le deuxième. C'est ça. Hein. Il y avait le deuxième personnage qui te suivait. Et à chaque fois, tu devais l'aider parce que il se faisait attraper par un zombie et tout ça. Fallait que tu l'aides. C'est un peu le Révélation 2 de l'époque. Ouais, c'est ça, en fait. C'est le. Où t'en as un qui C'est joue et genre, là qui. tu rentres dans un restaurant, le mec te suit, tu récupères des balles, une clé, t'évites les zombies, tu sors. Et le mec te suit plus. Et tu dis bah qu'est-ce qui se passe? Tu rentres et tu vois qu'il est dans les bras d'un zombie et qui fait ah aide-moi ou je ne sais plus ce qu'il disait ou et il fallait que tu l'aides et tout ça. Et le mec c'est pour ça que c'était mieux à deux en fait. Et je regrette que il n'y ait pas une sorte de remaster ou de truc comme ça qu'on puisse maintenant avec notre internet qui marche vachement bien qu'on puisse le faire. Et donc ça se passait dans la ville pendant l'épisode 3 en fait. Et Non, pendant. bah non, parce qu'il se situe avant le 2. Ça se passe au début de Oui, l'invasion. ça se passe. Oui, ça se passe au début de. C'est vrai. Ça se passe au début de l'épidémie quand tous les Voilà. zombies En commencent même temps, le 2 et à. le 3 se chevauchent, hein, donc on n'est pas Oui, très c'est loin. ça. Et ça se Oui, passe. c'est. Le Outbreak, le 2 et le 3 se passent à peu près dans les mêmes jours, quoi. Je crois que c'est. Un jour à chaque fois ou un truc comme ça ou deux. Ouais, parce que je crois qu'il chevauche aussi le 3. C'est un peu bordélique, hein. Oui, en tout cas, ça se passe dans la ville et ça se passe en même temps que le 2 et le 3. Bref. Ouais, c'est ça, c'est un Voilà. peu bordé. Donc Et voilà, donc passons. Non, donc t'as encore passons à quelque la chose à dire. suite. Je vous invite. Voilà, passons à Resident Evil 2. Je pense que là aussi, on est sur On un n'a pas nouveau parlé du jeu 3. Le Resident 3, il Evil. se passe pas avant le 2? Non, il se passe pendant? Ah non, il se passe un jour, pas un jour. Si, je crois que c'est un Ouais, jour après. C'est en même temps, c'est en même temps. c'est compliqué, ouais, parce que en Donc, on fait, il passe se à passe. Resident Evil 2. Donc, Resident Evil Techniquement, il y 2. a. Attends, le 3, en fait, il y a un petit bout qui se passe avant et tout le reste se passe après. En Oui, c'est gros, ça. Donc, normalement, c'est l'idée, c'est ça. pendant, quoi. Et donc, Ouais, Resident donc c'est Evil pour ça que 2, je le garde donc, dans l'ordre. on voit deux nouveaux protagonistes. Donc, ce n'est plus Chris et Jill. C'est Léon S. Kennedy, un policier qui vient prendre son poste
dans la police de Raccoon. Et Claire Redfield, qui n'est autre que la petite sœur de Chris Redfield, qui est venue le chercher. Enfin, qui est venue le voir, en fait. Elle cherche son frère. Ouais, elle cherche son frère, en gros. Donc Oui, c'est ça, ouais. ça doit faire un petit moment qu'elle n'avait pas de nouvelles et elle se pointe. Donc ils se rencontrent tous les deux parce que mademoiselle est dans un restaurant. Enfin, je sais pas si je reprends avec le nouveau 2 ou l'ancien 2. Oui, parce qu'il y a le 2 et le 2 remake qui est sorti donc en C'est 2019. ça. Ouais, de toute façon, les histoires Ouais, de toute façon, c'est pareil. se Donc valent à peu près. Ils n'ont pas trop changé comparé au 3. en gros, ils se rencontrent, ils montent tous les deux en bagnole, ils partent pour la ville rejoindre, pour aller au commissariat. Ils sont séparés et ils se disent, bah, on se retrouvera plus tard. Et ils se rendent compte que la population, c'est devenu des monstres qui Bon, en mangent fait, les la ville est gens. partie en sucette, hein. Et arrivés dans le commissariat, ils se rendent compte que bah, y a plein de chiens. La plupart des flics sont morts, mangés par des monstres, Ah bah, et c'est le ils... chaos, c'est l'anarchie. Ah bah, carrément. Désolé, Parce j'étais en qu'il y train de a. tousser. Et ils se rendent compte qu'ils rencontrent quelqu'un, un agent de police, qui j'ai oublié tout son nom. Marvin. Marvin, c'est ça. Donc Marvin, bah, il est blessé. Il nous aide au début et à un moment donné, bah, il meurt. Et donc notre but, c'est de se barrer de... Enfin, essayer de trouver une sortie, parce que devant, c'est pas possible. Essayer de trouver une sortie du commissariat, parce que ce coup-ci, on n'est plus dans un manoir, on est dans un commissariat. Bah, le commissariat remplace le manoir, on C'est retrouve les ça. égouts et on retrouve le labo. Oui, Enfin, c'est... on retrouve On se rend compte la feuille de que... route du 1. On se rend compte qu'en dessous de la ville, il y a un laboratoire gigantesque qui s'appelle le Hive, enfin ben, pas le Hive, Le Nest. qui s'appelle le Nest, c'est ça. Et petite chose qui diffère du premier, dans le 2, il y a un grand méchant qui s'appelle Mr. X qui te poursuit tout partout pour te mettre une patate. Techniquement, il y a deux méchants. Techniquement, il y a deux méchants, puisqu'il y Parce que le premier a... que tu rencontres, c'est William. C'est William Birkin, c'est ça. Normalement, dans la timeline, tu rencontres d'abord William avant Monsieur X. Voilà. Mais oui, tu as les prémices du nouveau tyran, donc T'as le qui cette nouveau... fois-ci te court après Dans la maison dans le pour te jeu. défoncer, en fait. Donc lui, il est prévu pour défoncer les survivants ou les Stars. Non, je crois que lui, il n'est pas programmé pour les stars. Hein. Il n'est Lui, pas c'est programmé pour les vraiment. stars, hein, c'est juste qu'il est programmé pour défoncer les survivants, je crois. Et puis, c'est un test, encore une fois. On rappelle Aussi, que ouais, c'est je crois que c'est un Umbrella, test, on ouais. est là pour tester des trucs, hein, puis pour Donc, faire le ménage. En fait, bah Umbrella oui, veut nettoyer les c'est traces pour ça. pas être impliqué. Ils veulent nettoyer les traces. Donc, il défonce, donc lui, il nous poursuit. Donc, voilà, on s'échappe à chaque fois. On tombe deux, trois fois sur Birking. Et Et on découvre aussi qui mute un et gros qui truc, le mute. virus G. Voilà, il s'est planté le virus G. Nouvelle variation du virus. Et qui... Et on découvre des Birkings aussi, hein. Franchement, un personnage emblématique et important du début du lore Resident Evil aussi, C'est ça, comme j'en ai parlé avant. on rencontre deux chercheurs en fait qui sont à fond dans... Bah, qui travaillent pour Umbrella et qui sont à fond dans le projet, dans le projet virus G. Et puis on découvre un peu plus Umbrella aussi. C'est ça. On découvre Ada Wong On découvre Ada Wong. dans l'arc de Léon, parce que comme tu l'as expliqué, ouais, on a deux persos, mais gros ajout de ce deuxième épisode, c'est que le jeu est divisé par deux. Ah, il est divisé en deux scénarios, avec un Un scénario A, bien B. et un moins bien. Alors, je sais pas, moi j'irai pas jusque-là. Enfin, le côté Parce que. Léon et tout, c'est cool. Le côté la Alors, tchotte. moi je préfère Claire. Moi j'ai préféré Claire, Tu tu as vois, préféré... je suis team Claire. Moi Bah je suis team Claire. moi je suis Team Léon parce que en fait Non mais ça je le savais, Chris toi. j'avais pas vraiment bon Chris c'était voilà c'était le militaire machin et tout ça c'est je sais pas mais quand j'ai découvert Léon je me suis plus Mais je sais que accroché toi t'es une une midinette et je te vois midinette comme ça voilà devant ton jeu. je suis plus tombé Quand il a amoureux joué au remake, de le mec il fait Léon, t'es le meilleur, je suis plus tombé Léon, amoureux de t'es le Léon meilleur. que
voilà, Je suis tombé amoureux, tu vois. Léon, t'es meilleur. Léon, t'es meilleur. Lian. Et je suis tombé, Je voilà, suis sûr, il danse et il chante comme ça en pom-pom girl. le petit beau gosse, flic et tout ça. Non, mais j'ai préféré en fait. Et on découvre plus sur Umbrella. On découvre qu'ils ont une fille. On découvre Ada Wong qui est une sorte de. Un agent secret. Un agent secret, ouais, c'est ça, une espionne, un agent secret, on ne sait pas Parce trop. qu'elle, elle est venue piquer. Bah si, en fait, on le sait. Bah c'était pareil, on le sait au fur et à mesure Oui, c'est ça, des en fait, avancées historiques. elle est venue Mais en fait, chercher là, elle est un là pour échantillon. venir piquer le virus G. Merde. Et pour qui elle travaille à ce moment-là? Par contre, ça, j'ai un doute. Un gros doute pour qui elle travaille. Je sais pas si elle travaille pas déjà pour Wesker. Non, elle travaille pour l'organisation, je crois. Ou un truc comme ça. Ouais, un truc un J'ai peu. un doute, mais il me semble que On ne si je sait me pas rappelle à ce moment-là, vraiment en fait. elle travaille pas encore pour Wesker. C'est après qu'elle Mais travaille pour Wesker. on n'en apprend pas vraiment On a une beaucoup petite sur elle en amourette fait. aussi entre Léon et Ada Wong. C'est ça. Elle se sert plus de lui qu'autre chose. Mais Donc, lui, il est un peu pas tombé. vraiment. Hein. Ouais, on sait pas vraiment. Mais lui, Elle doit faire son travail, il est tombé mais amoureux d'elle. toujours le doute. Hein. On en reparlera un peu plus loin, mais tu verras dans l'épisode 4. Mais Ada Wong, elle est pas censée être la femme de. Ou c'est une fausse femme de quelqu'un? D'un Ça, je saurais pas te dire, je médecin, me rappelle pas. puisque sur le PC, on tape son nom. On tape Ada. Oui, il y en a. Oui, tu dois rentrer son code normalement. Bah, c'était. C'est quoi? C'est dans l'original, ça. Ouais, on Parce qu'ils tape l'ont viré dans le Ada, et remake. je crois que c'était un truc comme ça. C'était la meuf d'un mec, ou c'était une. Elle était. Comme c'est une espionne, elle a commencé à se Bah, elle est mettre avec. Elle a infiltrée, quoi. infiltré, ouais, c'est ça. C'est une Et donc. infiltrée. Oui, la meuf, elle joue souvent. De toute façon, dans chaque épisode, elle c'est un double jeu, quoi. Ouais, et donc. Chose qui va aussi arriver après le 3, mais. On arrive à s'évader de. On arrive à s'échapper de la ville. Avec Claire. Puisque Léon, Avec le. au bout Je d'un sais pas comment ils moment, appellent ça, le Claire train, retrouve le funeste. Léon retrouve Claire. Merde, j'ai perdu mon. Non, au secours. Claire est la petite Birkin, qui est autre que Chérie. la. Qui, voilà, chérie, qui est autre que la fille de William Birkin, le grand méchant, Et de Annette. et de. C'est ça, Annette. Et donc Les parents Birkin. à Les la sales fin, parents. ils arrivent à s'échapper juste avant qu'un missile détruise la ville de Raccoon City pour effacer les traces des zombies en fait. Ah bah il fallait bien nettoyer. Donc qui va faire Ouais. le ménage? Ah bah carrément. Donc dès qu'ils arrivent à s'échapper, on voit un missile qui part et qui tombe sur la ville et qui rase toute la ville de Raccoon pour Bon effacer toutes alors. les preuves. Où tu placerais cet épisode? Est-ce que tu le places au-dessus ou en dessous du 1? Allez, on va y aller cash, on sait que c'est Ouais. un épisode quand même qui est Bah, du lot. disons que c'est l'épisode que j'ai plus fait, que j'ai plus, on va dire que je préfère le protagoniste. Je le mettrai en premier, moi. Ouais, ça, je m'en Je le doutais. mettrai Je le avant le savais. 1. Moi, c'est compliqué. Alors, en fait, j'ai deux points de vue, moi. Si je prends l'ancien, je suis pas fan du tout. J'ai pas aimé comment dire, la durée de vie artificielle. Je préférais, voilà, on était dans le 1, il y a deux persos, il y a deux trucs, des petites variantes, ok. Là, on nous fait croire qu'il y a des trucs différents en nous imposant juste un personnage différent avec qui traîner. Le méchant de la fin, finalement, il y en a un qui se retrouve avec le Monsieur X, l'autre avec William. Après, t'as le scénario A et B. Je trouve que c'est un petit peu pipoté pour pas grand-chose. Après, je pense que c'est une très très bonne suite. Je le cacherai pas. Mais je pense que le remake est peut-être meilleur à ce niveau-là. Je pense qu'il a apporté quelque chose Oui, je pense de plus aussi, ouais. cohérent et peut-être de mieux. Donc, j'avoue que je le mettrais. Personnellement, moi, je le mettrais en dessous du 1. D'accord. Même si j'aime beaucoup je t'avoue que j'adore le remake. Hein. Je l'ai saigné, je l'ai platiné, donc c'est pas un mensonge. Mais l'original, en fait, le problème c'est que si je prends le 1, autant j'ai aimé le 1, le Rebirth, le HD. Je pense que si j'y joue, je sais que c'est le Rebirth, donc finalement, je sais que je serai pas dépaysé et que je vais aimer. Tu vois, je le classe dans le bon.
Mais j'avoue que le 2, comme lui, il n'a pas eu de portage entre deux. On a eu juste des portages simplistes, mais on n'a pas eu de remaster comme le Rebirth pour venir se caler entre deux On a pour juste le apporter remake, peut-être une ouais. expérience un peu mieux. Donc forcément, il y en a un que j'aime bien et il y en a un que j'aime pas du tout. Le C'est ça. 2, j'avoue que moi j'y ai joué un petit peu et que je l'ai vite laissé de côté. Voilà, pour spoiler d'avance l'épisode suivant, je préfère le 3 au 2 si on prend les Oui. épisodes originaux. D'accord. Donc Oui, de toute moi je façon, le ça a mettrais toujours en... été comme ça. Hein. T'as toujours préféré le 3 et j'ai toujours... Ouais, Moi, c'était le donc 2, soit je sais c'était pas le ce que 3, t'en penses. donc... Après, le problème, je pense que le 2, le problème c'est qu'une suite pour moi. C'est un très bon Resident Evil, alors je le cache pas en termes d'énigmes, de trucs, mais en fait il fait que reprendre le 1, donc finalement je trouve pas qu'il Ouais, soit si impressionnant que ça. on apprend un peu plus de choses aussi sur Umbrella, puisque là Oui, enfin, non mais ça oui. on est un peu plus Mais c'est. dans leur plus gros Ouais, non bah mais c'est pour ça que j'ai pris on est plaisir carrément à y dans leur jouer. laboratoire qui est en dessous de la ville, donc on apprend que les mecs ils étaient en dessous de la ville, ils contrôlaient la ville, puisqu'il y a le maire aussi. Le maire de la Oui, ville, Irons. Iron, Non, qui... Si, non, le Iron? commissaire. Non, le chef de police, Ah, c'est le Irons. chef de la police? Ah oui, c'est le chef de Le la maire, police tu Iron le. qui... Le maire, tu le découvres dans le 3, son nom, C'est c'est ça. Walter ou je sais plus quoi, un nom comme Le chef de ça. la police Iron, Je sais plus. on apprend qu'il était de mèche avec... Bah oui, c'est un corrompu. Mais de toute façon, ils sont tous corrompus dans la ville. Qui était... Bah oui, puisque la ville a été fondée par... J'ai l'impression qu'elle a été Donc. fondée par Umbrella. Bon, elle n'a pas été fondée, mais ils mettent tout leur pognon là-dedans. Ils ont une entreprise qui ramène énormément d'employés. Donc, c'est la plus grosse entreprise du coin. Oui, Et c'est puis, ça. oui, Puisque ils ont à la base, corrompu c'est tout le monde. Umbrella Pharmaceutique La preuve, hein, ils ont qui... mis Wesker en chef des Stars. Hein. C'est en passant comme ça qu'ils ont pu le Ah faire. oui, Hein. bah oui, carrément. Carrément. Par contre, c'est la fille du maire que Iron il a dans son bureau. La blonde qui est allongée sur son bureau. Alors j'avoue que je sais pas, ouais je crois que Je c'est la... crois Je ne sais alors plus. dans le remake, Oui, celle du scénario. j'ai pas fait attention. Mais dans la version originale, enfin dans le premier Resident Evil 2 qui est sorti, j'avais souvenir que c'était la fille du maire qu'il avait sur le bureau. Et je ne sais plus s'il était amoureux d'elle ou si elle fouillait, elle commençait à mettre son nez un peu partout, donc il l'avait supprimé ou je ne sais plus. Je ne sais plus trop comment ça se passait. Mais ouais, en tout cas, oui, le chef de la police est corrompu, le chef des stars était corrompu, enfin, faisait partie des Umbrella, donc ouais, c'était clairement la merde, quoi. Donc oui, moi je le mets en premier, toi tu le mets tu le mets en dessous du 1, donc ouais. Ouais, mais allez, j'hésite à te le mettre ex aequo ou le passer au-dessus. Je t'avoue que j'hésite. Bah, à toi de voir. Allez. Allez, je te le donne en premier parce que je suis gentil, je suis généreux, c'est le confinement. Et parce que... Non, non, je pense quand même. Ouais, il a quand même des bonnes qualités. Il apporte quand même quelque chose d'intéressant à la saga, comme tu dis. Oui, et Il puis a c'est... apporté deux persos quand même qui sont marquants. Comme j'ai dit, moi je Voilà, suis Team Claire, toi Team Léon. et puis il y a aussi il rajoute un truc avec C'est la Ada dualité, moi, qui me fait qui... Oui, chier. c'est ça, mais avec C'est Ada comment il avait vraiment qui découpé. elle est, Je suis pas fan on de ne ce sait pas truc-là d'origine. vraiment, machin, donc ça relance dans le complot et tout ça, donc c'était pas mal. Après, ils n'étaient pas dégueulasses pour ça. Allez, allez, je te l'accorde parce que ouais, j'ai quand même passé un bon moment et que. Ouais, je le mettrais ex aequo en fait, moi. Bah, tu Non, c'est peux, si difficile de. franchement, tu peux. Si tu veux le mettre ex aequo, tu le mets ex aequo, hein. Écoute. Ouais, je pense que ça risque d'être le seul qui puisse être ex aequo parce que c'est les deux seuls où j'arrive pas vraiment à me mettre d'accord. Parce que c'est plus. Et encore, je le donne parce que ex aequo, parce qu'il y a le remake. Sans le remake, je le mets en dessous, Oui, c'est personnellement. vrai. Donc j'avoue que... Passons à la suite, Resident Evil 3, monsieur. Il faudrait qu'on accélère un peu. Parce D'accord. qu'on a classé que 3 épisodes et on est à 1 heure passée. D'accord. Donc, Combien Resident on est? Evil 3, Ah ouais, on est à 1 heure 5, il est très monsieur. bien. Bon, suivant. Non.
Ah bah non, tu l'as pas classé, tu peux pas dire juste il C'est était bien. vrai. Donc, Resident Evil 3, un des Resident Evil que j'ai le moins fait. Parce que je l'ai pas fait. Ben, on est dans le premier Resident Evil qui garde comment dire qui. Autant le 0, j'avais regardé un let's play. Autant le 3, les seules fois que j'avais vu, que les seules fois que je l'ai fait, enfin que je l'ai vu en fait, je l'ai vu avec toi. Je crois que c'était toi qui étais en train d'y jouer quand on était jeune. Oui, ouais, parce que j'allais dire récemment, Et il me semble pas que tu étais là la semaine dernière. non, non. Et j'ai fait la démo du remake. Donc pour te dire que vraiment, je l'ai pas fait et j'ai rien vu quoi. Bah, de ton avis comme ça, tu le placerais où déjà? Vas-y, comme ça on va accélérer un petit peu. Et après, je ferai un bref résumé rapide. Alors je le trouve très bien, donc je le mets dans. Il est dans le top Moi, 3 pour. en fait. Est-ce que. Ouais, voilà, est-ce que tu le mets entre. Je le mets juste après Resident Evil 1. Parce que je te dis, comme j'y ai pas touché, même le remake, j'ai vu juste. Comment on appelle ça? J'ai fait juste la démo, je l'ai pas vu non Oui. plus, je me suis pas. J'ai pas regardé les lives et tout ça, les let's play. Bah, Donc je peux pas te dire vraiment. je vais faire un petit résumé rapide, hein. Oui, explique, Ça, voilà. ça se passe deux mois. On apprend que Jill, bah, après le 1, forcément, elle a été mise à pied. C'est pour ça que ça démarre chez elle, hein. Bah ouais. Et on découvre bah, que c'est le bordel. On est encore sur le début du chaos dans la ville de Raccoon. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, les Chris et Barry, ils sont partis à l'étranger. Ouais. Parce que elle a voulu enquêter en fait sur Umbrella en restant aux États-Unis. Eux partent en Europe. Alors je sais plus c'est qui. Il me semble que c'est Chris et Barry. Chris, c'est sûr, mais Chris et Barry, je crois qu'ils sont Barry. pas. Non, je crois qu'ils sont pas à ce moment-là. Je crois qu'ils sont partis dans les bouquins, là, ils sont partis en Alaska ou un truc comme ça pour. Non, mais dans le truc global, la base en fait au moment où Au moment, en Europe. d'accord. Au Après moment, ils ils se séparent, sont. en fait après il y a plein d'histoires parce qu'ils vont à des endroits différents. Ouais, mais C'est un peu le je crois que bordel j'avais parce qu'il y a plusieurs missions. je crois que j'avais vu j'avais lu le livre je me souviens qu'ils étaient dans la neige machin donc je crois qu'ils sont partis dans une base en Alaska d'Umbrella. Ah bah je sais qu'à un moment oui il y a une base en Antarctique, mais Ouais, je crois que c'est ça, c'est en Antarctique ou un truc comme ça. Je sais plus si c'est Code Veronica, je crois, il me semble, donc c'est un Ah peu non, après. c'est une note encore, c'est dans un livre, tu sais dans les livres Enfin, je me rappelle pas qu'on de tous les avait là, livres, le je Resident t'avoue. Evil, Resident Evil 2, après Parce que t'avais je sais un. plus Caliban Cove, le 2, par exemple, où ça se passe exactement, par exemple Je celui-là, ne sais plus, je l'ai pour lu prendre une cet fois le exemple. livre, après je l'ai plus revu, donc Donc j'avoue que j'ai un disons qu'ils doute. sont partis en Europe. Mais en gros, on sait qu'ils sont partis en Europe. Voilà. On découvre bah, l'évolution de Monsieur X. Hein. On découvre Nemesis, le super soldat, qui lui est programmé pour défoncer les Stars. C'est ça. Donc il est là pour éliminer ceux qui sont au courant, les Donc seuls nouvelle menace. témoins, détenteurs d'informations sur leurs ambitions. Hein. Donc en fait, bah, on va traverser la ville encore une fois. On retrouve donc la ville. Dans l'original, on traverse rapidement le commissariat. Dans le remake, c'est Carlos qui s'en occupe. Voilà, pour montrer un peu les différences. Ensuite, bah, on essaye de se barrer avec le tramway ou le métro, selon encore une fois la version. Ensuite, Bah disons, prenons l'histoire on perd le originale, on va dire. beffroi. Bah, dans l'original, on se retrouve dans le beffroi après Ah l'accident oui, non, mais pas le beffroi. du Je tramway. te parle l'histoire. Prenons l'histoire de Jill, en fait. On choisit pas le Ah bah deuxième c'est. personnage, on prend le. Ah non, mais t'as qu'un personnage dans celui-là. D'accord, Parce que d'accord. c'est ça le truc. C'est que de temps C'est en temps, que. tu changes. Non, c'est que. Non, oui, voilà. C'est que des fois, t'as des deux. Selon le remake ou pas, en fait, t'as des variations. Parce que le D'accord, commissariat, des tu dans le phases. normal, dans le PlayStation, tu vas faire avec Jill. Dans le remake, tu le fais. C'est Carlos qui s'en occupe. D'accord, t'as des phases, d'accord. En fait, dans le remake, tu perds le beffroi.
Là où dans l'original, en fait, parce qu'en fait, le problème, alors le gros problème du 3, je vais le dire tout de suite, je vais pas me faire des amis, mais moi, j'aime pas du tout. Je le dis sincèrement, pour moi, c'est un très mauvais remake, parce que ça n'en est pas un pour moi, à comparer aux deux. Pour moi, c'est on a voulu vendre du Resident pour vendre pour vendre Resident Evil, voilà, pour l'argent. Autant le 2, je l'ai dit juste avant, il était très bon et il m'a fait plaisir. J'ai retrouvé l'ADN de Resident Evil. Autant dans celui-là, on s'est dit, bah voilà, on veut le vendre à plus de personnes. Resident Evil 3, et en fait, le truc, c'est qu'il avait entamé déjà une petite partie action. Il avait commencé à prendre les bases du 4, où le jeu était un peu plus action, comme on va le voir dans le 4, 5, 6, où ça va tout doucement se délier et devenir de plus en plus action, à mon grand regret. Et finalement, le 3, bah, en fait, il a gardé que ça. Donc le 3, en fait, on se retrouve presque avec un Resident Evil 6, où c'est ultra linéaire, où on a enlevé toutes les énigmes, alors que dans le 2, ils avaient fait l'effort de garder les énigmes. Donc tu fais quelques allers-retours. Là, les allers-retours, t'en fais quasiment plus, à part pour aller à tes coffres. Je me souviens qu'il y avait des énigmes dans Resident Evil 3, mais donc tu Ah, dis dans le mais remake, ils les ont dans enlevés. le remake, il n'y a plus rien. Ah oui, il n'y a plus rien. On n'a plus D'accord. une seule. Hein. Ah, c'est franchement. Si, il y a une énigme, il faut prendre une batterie, il faut la déplacer d'une part à une Ouais, d'accord. autre. Voilà le niveau des énigmes, quoi. Donc, On est là, ouais. non, pour moi, le 3, je le mets largement en dessous. J'ai presque envie de le mettre en dessous du 0 si on prend avec le remake, parce que le remake, je pense que bah, c'est bien, les gens, ils ont aimé, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux. Hein. Ça peut être C'est, mais même, c'est. ça a peut-être même fait découvrir Resident Evil à des gens. Ah, je pense qu'il y avait le 2 avant, avec le remake du 2 quand Oui, même, non, il y a mais quand même un écart, donc. ça fait découvrir Resident Evil 3 à des gens qui Oui. d'eux-mêmes ne seraient pas partis sur la Oui, non, version mais ça c'est PlayStation bien. parce que il y a pas Ouais, mais mal tu vois, de si. gens, tu leur montres ça, ils disent oh, c'est moche, c'est Ouais, je suis nul, d'accord, c'est vrai. machin, Ouais, la mais le problème c'est que regarde, caméra, les trucs et tout, donc. les gens, ils ont joué aux deux, ils ont dit ah, c'est cool, et tu leur demandes leur avis par rapport à ça. J'ai pu demander à un jeune public, hein, justement, autour de moi. Et on m'a dit, bah ouais, mais finalement, ça vaut pas le 2. En D'accord. parlant, si on prend de remake à remake, parce que justement, bah oui, ils ont cette sensation que bah, on les a mis dans un couloir. Ils sont là pour un truc qui s'appelle Resident Evil, qui est quand même, pour eux, ce qu'ils ont découvert dans le remake du 2, quelque chose de très différent du 3, parce que le 3, ça devient courir dans des couloirs. Dire quand tu joues Carlos, l'hôpital, c'est t'as une mitrailleuse et la plupart de ton temps, tu bourres à la mitrailleuse, quoi. Hein, tu balances des grenades à tout va, autant le 3 quand même, il y avait déjà cet aspect-là un peu plus bourrin, mais il fallait prendre le mode facile par exemple pour avoir ça, pour avoir ce côté action de suite. Donc la preuve, le remake par exemple, on va te dire joue en hardcore direct plutôt que jouer en normal par exemple, parce que le facile est normal et ça va être trop simple, parce que comme ils ont copié la structure de l'original, le problème c'est qu'ils ont gardé toutes les plantes, tous les items à Valvolo, alors que comme là, bah, c'est plus en ligne droite, t'en as peut-être pas. De toute façon, tu le vois, t'as joué à la démo. T'as vu la démo quand tu commences dans le truc du métro et tout, t'arrives, on te donne deux plantes, une plante rouge, on te donne plein d'armes. Oui, c'est ça, ouais. Fais-toi Et en plaisir, plus, quoi, il y a une c'est ça. nouvelle mécanique qui est l'esquive. Voilà, en plus, alors que t'as l'esquive, mais Donc finalement, je trouve que. si tu la maîtrises, je pense que. Bah, t'as plus besoin de tout ça, et limite, l'esquive pour moi, elle sert. Il faut que tu apprennes à la maîtriser pour le mode cauchemar et le mode enfer. Sachant que tu auras besoin d'items pour tricher ce système. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des items en fait qui vont t'améliorer ta vie. C'est quoi déjà? C'est les dégâts que tu reçois. Donc tu reçois moins. Ouais, c'est ça, c'est la def, c'est tes dégâts des armes et une récupération auto. Plus le manuel des stars, ce qui vont te permettre de faire des esquives quasiment parfaites tout le temps ou tout le temps, je ne sais plus. Je ne sais plus le ratio. Donc tu vois, je veux dire, techniquement, t'en as même pas besoin. Moi, je peux te dire, j'ai essayé le dernier boss hein, en cauchemar, juste avec une médaille de défense et de récupération, je crois, ou de dégâts des armes, je ne sais plus. Sans le livre, sans avoir toutes les médailles. Juste vraiment deux médailles comme ça, vite fait. Le boss, il est chaud patate. Mais je l'ai presque battu, moi, juste en jouant avec mes propres esquives. C'est juste qu'ils ont juste un peu abusé. Le mec, il te met 5 tatanes comme ça Ah oui, pour avoir le réflexe d'esquiver parfait. Ah, il faut être un robot. Mais j'avais quasiment réussi. Il manquait juste à pousser le dernier truc d'énergie pour aller rechercher le Raigun et lui mettre le coup de grâce. Donc, c'est faisable. Franchement, si tu le tryhardes, je pense que c'est faisable.
Mais le problème, c'est que c'est ça. Le jeu, il te propose cette perspective de dire, bah ouais, mais regarde, tu peux acheter. Franchement, bah, finalement, ça te baisse le niveau en vrai de ce mode cauchemar et enfer. Que je trouve un peu dommage. Et comme le remake, en plus, comme j'ai dit, il va en ligne droite. Comme là, le Rocket, il n'est pas voué, comment dire, à des points que tu achètes en boutique. Je trouve ça parce qu'en fait, le problème, c'est que dans le remake, si tu as une boutique avec les points des défis, comme tu faisais dans le 2, ça te donne des points et tu peux acheter ces trucs. Donc, tu vas acheter les armes infinies, tu vas acheter un skin de deal, tu vas acheter les pièces, le manuel, tu vas acheter des sacoches. Tu vois, je veux dire, tout pour te faciliter le jeu. Ouais. Mais c'est pas voué à ton skill comme dans le 2, où dans le 2, on va te demander de faire un temps sans utiliser les armes infinies. On va te demander de faire, par exemple, faire un hardcore à un rang S ou S+, ou ce truc-là. Déjà là, le S+ n'existe plus, parce que on t'autorise à jouer avec les armes infinies. T'as plus cette notion, en fait, déjà entre le remake du 2 et le 3, tu le ressens. Donc, ouais, je pense que c'est dommage, ça a perdu en saveur, ça a perdu en origine de trucs, alors qu'on avait dans le 3 original, on avait de la série B, mais franchement, ça a passé bien parce que c'était bien rythmé. On voyait, c'est un Resident Evil où on voit énormément de décors aussi, je trouve, comparé aux deux premiers. C'est Oui, pour puisque ça que là j'aimais. on est clairement dans la ville, elle veut se barrer donc. Bah, t'as la ville, t'avais le beffroi, t'avais l'hôpital, parce que moi j'aime bien Oui, parce c'est que ça, dans le remake, on tu me dit, ouais, visites le plein de passage de. trucs. Bah, Ouais, parce qu'on. un peu comme Outbreak en fait. Outbreak, t'avais un zoo, t'allais dans. En fait, C'est ça, ouais. tu t'évadais et tu passais par le zoo en fait. Donc t'avais beaucoup d'animaux zombies et tout ça. Et par contre, tu coupes et tout, et si tu regroupes toutes ces informations-là avec tous les jeux, tu te rends compte que la ville, Raccoon City, elle devait être magnifique, quoi. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs, Oui, t'as ben un oui, c'est ça. zoo, Bah, tu t'as vois des parcs, de toute l'hôpital, façon, dans le 3, tu découvres tu un vois peu énormément de tout et choses tout aussi. ça, donc ça c'est cool. Tu te rends compte que la Mais. ville, elle est pas, c'est pas une ville de redneck un peu bidon ou. Oui, c'est pas une ville de campagne ou un petit village ou comme ça, Un quoi. truc Genre des isolé dans le fantômes, des monstres. Nevada ou un truc comme ça, quoi. Voilà. Là, tu te rends compte que voilà, c'était une Mais vraie c'est ça. ville ou. Voilà, mais c'est ça le problème. C'est parce que dans le remake, t'en as, ils disent, ah oui, mais il y a la scène de l'hôpital à la place du beffroi. Mais le truc, c'est que dans l'original, bah, il y a déjà la Il y scène a de déjà la scène l'hôpital. d'hôpital, ouais, je Elle me suis. est juste moins bourrine, quoi. Je veux dire, t'es pas Rambo qui est en train de tirer quand t'es dans le hall d'entrée pour finir l'hôpital à la fin avant de faire exploser la colonne pour pouvoir finir et récupérer Jill, en fait, Ouais. pour reprendre la suite de l'histoire. Je veux dire, c'est juste, j'ai l'impression de voir le. Je crois que c'est le dernier ou l'avant. Non, l'avant-dernier Rambo, peut-être. Où t'as la zone où t'as le des kills qu'il fait qui apparaît, tu sais, où il a la sulfateuse ou je sais plus ce qu'il a comme arme, mais il est dans le village et le mec il est là, Oui, bah ouais, forcément. et tu vois le décompte des mecs qui tombent en face, quoi. Je veux dire, la limite pour moi c'est ça, et ça devient juste un jeu d'action. Je veux dire, des jeux d'action on en connaît plein comme ça, donc pour moi je trouve que ça n'apporte rien. Le remake final, donc franchement, à cause du remake, pour l'instant je le mettrais en dessous de Resident Evil 2 largement, sans hésiter, même si je ferais. Je préfère énormément l'original, qui est certes déjà un peu tourné action, mais qui offre des bons moments, je pense, dans le jeu. C'est ça qui est dommage, parce qu'il y avait un équilibre justement entre l'oppression zombie bah, qu'on a un peu dans les premiers, dans les deux premiers, mais peut-être un petit peu plus d'action. Puis t'as ce Stars à l'origine qui est là, qui te poursuit. Je Ouais, le trouve que bah, Némésis, à chaque fois à l'entendre, bah, dans le Stars. remake, je le trouve moins impressionnant, tu vois, par Oui, exemple. bah ouais. Et je pense que beaucoup, justement, ont eu ce truc, alors que d'après les développeurs, Bah c'est ouais, il va faire super peur plus que parce que Monsieur X, mais il est ridicule. avant les personnages, ils étaient rigides, les caméras, elles étaient fixes et tout ça, donc t'esquivais, tu pouvais aller dans des tunnels, dans des couloirs, pardon, enfin les rues, tu tournais dans les rues, machin, mais tu sais. Le temps que tu bouges un peu ton perso pour qu'il repart d'un autre côté et tout ça, c'était pas le même gameplay quoi. Quand tu vois le tout premier Resident Evil, pareil, ou que ton bonhomme pour le faire tourner, il faut d'abord qu'il tourne, après il avance, et donc pour esquiver des zombies, des machins, c'était pas top. Mais là, Ouais, mais tu maintenant, t'habitues. ouais, Ça va, franchement, c'est pas d'accord. choquant hein, quand tu rejoues, il te faut un Ah petit temps d'adaptation, mais après tu ok. repars vite. Hein. Justement, j'esquive facilement le Nemesis ou des trucs comme ça. Je pensais que j'allais galérer un peu plus, mais ça va, j'ai réussi à gérer.
Bon, j'avoue, je me suis mis en facile, mais en termes de combat, je peux te dire que j'ai dû quand même le bourriner, lui mettre de la, pas de la roquette, mais de la grenade et tout. Les esquives, il se laisse pas faire, quoi. Ouais. Je veux dire, c'est pas genre t'as mis le jeu en facile, c'est juste que t'as l'encreur infini, que t'as les armes en double, mais que j'ai pas utilisé. Genre le magnum, le pompe, le lance-grenade qu'on me donne dès le début, je les avais pas utilisés. J'ai fait le jeu vraiment genre avec le gun, j'ai juste utilisé un peu la traillette au début pour me faire plaisir. Voilà, pour me défouler un peu. Oui, Parce que je voilà. sais qu'au début, il y avait beaucoup de zombies. Mais t'as peut-être un petit sentiment justement où que t'as pas dans le 2 où t'as cette masse de zombies des fois qui viennent t'agresser. Après, je suis pas fan du perso de Carlos. J'ai vu qu'il y en Ouais. a certains qui disent ouais dans le Carlos remake, ouais, Oliveira. on a apporté un petit peu plus de fraîcheur et d'intention dans les persos et puis de la relation entre eux. Alors moi, je trouve pas du tout. Hein. Je trouve qu'on retrouve exactement quasiment pareil. Hein. Je trouve que ça apporte rien du tout. Je trouve que Carlos, Qui il sert à Carlos rien. qui fait partie des Umbrella en fait? Il fait juste semblant. Oui, c'est un merde. Bah, C'est fait les partie. Oui et mercenaires non, de Umbrella en fait c'est un mercenaire, quoi. qui ont été largués sur la ville pour bah C'est ça. pour Bah, défoncer les gens. le problème, c'est que c'est un Umbrella, mais sans en être un, parce que quand tu regardes le scénario, pas la interprétation que Nicolai, par exemple, qui est un gros fils de pute, on va Oui. dire. Voilà, lui, il est là, il est au courant. Lui, c'est vraiment un Umbrella, Oui, c'est cœur bah, de et toute façon, autres, c'est le chef, où il est là pour c'est nettoyer. voilà, c'est le chef Alors et qu'à tout la ça, base, ils donc viennent pour une mission de sauvetage. Alors que Carlos et les autres, en gros, les sbires, eux, ils sont vraiment à fond dans leur mission et ils veulent aider les civils et les gens. oui, c'est vrai, ouais. Mais je trouve que, ouais, Carlos, il sert à rien, quoi, pour moi. Dans le remake, on a essayé de lui donner un rôle un petit peu plus intéressant, mais ça apporte que dalle. Moi, Oui, je le dis c'est... franchement, ça apporte rien du tout. Et il faut savoir que le 3 n'était pas le 3 aussi à l'origine. Le vrai 3 à l'origine, c'est Code Veronica. Ah oui. Je sais, il faut se rappeler, mais comme ça avait pris plus de temps sur Dreamcast, et puis ils voulaient un dernier épisode sur PlayStation, et comme sur PlayStation, ben, on avait déjà des assets, des trucs, on maîtrisait, et ben finalement on s'est dit on va sortir un 3. Donc je pense que même voilà un peu dans la rapidité, je pense que c'est un bon épisode qui commence à montrer que ben, on atteint les limites. Ouais. Il fallait s'y attendre, mais qu'il pense déjà à la suite de la série. En bien ou en mal, on va le voir bientôt. Mais ouais, je le mettrai en Ouais, on dessous verra, on du verra. 1 et 2 que j'ai mis ex aequo, moi. D'accord. Bon, on a fait que 4 épisodes, hein, donc on va accélérer un peu. Quel est le Oui. suivant? Le suivant, donc on arrive bah, sur Basse. Code Veronica. C'est ça. Rayon Voilà, civil, Code Code Veronica. Veronica. Donc avec Donc Jill, qui lui toujours. se passe à la fin de l'année 2002. Ouais, un peu. Toujours Jill à la recherche de son frère. C'est ça. Elle apprend. Elle part en France, je crois, si je me Elle rappelle. apprend que son frère est sur une île ou un truc comme ça, je crois. C'est pas ça? Non. Non, non, Ou elle elle se fait part. kidnapper? Non, voilà, elle se fait kidnapper, elle est importée dans la prison, elle. Ah oui, il y a le passage avec l'hélicoptère et tout. Ouais, donc dans. Je crois que c'est pas ça, c'est avec le. Dans le. Dans l'intro, elle est dans une sorte de Umbrella. Elle doit être en France ou un truc comme ça, et elle est en Europe, elle est en train de chercher son frère dans Umbrella, et là t'as l'hélicoptère qui lui tire dessus, machin, et je crois que c'est là qu'elle se fait capturer et emmener sur l'île. Pas la ville, hein, mais Oui. l'île. Une île, quoi. Sur une île, et c'est là que on se réveille, enfin on est en prison, je crois, au début du jeu. Bah quand tu commences, ouais, t'arrives dans une prison, T'es dans dans une la cellule. prison, tu Et ouais, là, t'es dans t'es la dans les cellule. glaces de l'Antarctique, comme je disais, on en parlait un peu plus tôt. D'accord. Et là, bah là, tu sors, tu veux, bah là, on essaie de découvrir On pourquoi a on une est Chris là. Redfield un peu mieux armée Claire par Redfield. l'expérience. Pas Chris, Claire. On a Claire Redfield. Oui, Claire, oui, Ah oui, pardon. ce coup-ci, oui, c'est plus Jill, c'est Claire Redfield qui est à la poursuite de son. Qui, On joue Claire. Et on on rejoue retrouve Claire. aussi un binôme. Alors par contre, je sais plus qui est le binôme. Comment il C'est s'appelle déjà? Billy? Billy Non, avec Billy, ses c'est pieds. dans Zéro. C'est Comment il de. s'appelle? Merde, j'ai un doute. Je sais plus, attends. Qui est L'autre le c'était mec avec Cohen nous? et l'autre c'est. C'est Je Billy sais Cohen plus. et dedans Il c'est. Non, c'est Steve. C'est Steve Pardon, avec ses voilà, c'est ça. pistolets d'or, c'est ça?
C'est ça. Bah oui, parce que la particularité de Code Veronica, c'était le premier Resident Evil où tu pouvais avoir une arme dans chaque main. C'est ça. Tu pouvais cibler deux ennemis. Donc t'étais donc lui il était prisonnier aussi. Et comme tu l'as dit, on va rencontrer les Ashford. Et c'est là Ah, c'est qu'on... Alfred le deuxième, en fait. D'accord. Et c'est là que donc on rencontre les Ashford avec les deux jumeaux. Je sais plus comment t'avais dit les noms, mais Bah Alexia, sa sœur, parce que lui en fait Alexia c'est un taré, et oui si c'est tu ça. te Lui rappelles, parce c'est le. qu'il a Bah, ils sont tous les deux tarés. Hein. cryogénisé sa jumelle en fait lui. C'est ça. Faut le Mais savoir ils parce sont. que en fait c'est elle qui le veut parce qu'elle veut pas. Parce qu'eux aussi ils viennent. Parce que comme ils font partie du trio de base Umbrella, et elle sait qu'il va se passer un truc et elle veut laisser. En fait elle veut absorber le virus, donc elle se glace pour pas que en fait son esprit Corrompu. prenne le soit corrompu par le virus et qu'elle garde une partie du contrôle. C'est Il y a ça. une histoire un peu comme ça. Le Véronica, j'avoue que je le connais pas trop, j'y ai joué, mais c'est Je celui qui m'a moins l'ai fait une marqué. fois. Bah moi aussi. J'ai dû jouer une fois ou deux grand Je max. l'ai fini une fois et c'est tout en fait. Donc je ne sais plus trop quoi les en... je ne sais plus trop les enjeux et tout ça dedans, mais je sais qu'on en apprend plus sur les fo... sur un des fondateurs. Bah c'est ça, bah c'est Alfred Ashford, on en apprend un peu plus sur les Ashford, sur un nouveau virus qui a donc le Oui, T Véronica pour être exact, c'est ça, si je me trompe c'est pas. une variante du virus T. C'est une sorte Donc de mutation sur le bah le virus problème de T, et cet puis... épisode, c'est qu'il n'est pas très estimé parce que bah il y a le 2 qui était sorti un peu avant, il y a le 3 qui est sorti un peu la va-vite, mais qui a marqué les esprits. Parce que je ne sais plus, ils ont un an d'écart, même pas. Non, ils ont 6 mois d'écart, je crois, en gros, quand tu prends le Japon. Pour nous en France, je crois qu'ils ont même pas. Ils ont. Attends, je vérifie. Ils ont eh ben ils ont 2 mois et une semaine d'écart pour donner une idée. Ah oui, T'imagines? ouais. Donc c'est le problème de ce jeu, et comme la Dreamcast n'était pas forcément une console très vendue, malheureusement, pour elle, paix à son âme. Mais Mais ouais, je l'ai pas. ouais, donc ça n'a pas forcément été le Resident Evil le plus joué. C'est pas un mauvais Resident Evil. Le problème c'est que j'ai pas rejoué parce que c'est un peu difficile d'y rejouer. Bah ouais, moi je l'ai Parce fait que c'est le sur. premier Resident Evil en 3D, on l'a pas dit parce qu'avant on Oui, était sur du c'est pré-calculé. ça. Et là, c'est vrai que je l'ai fait sur. Donc je l'ai fait sur Dreamcast. Une seule fois, je ne sais plus pourquoi, peut-être parce qu'on m'avait prêté le jeu et Je saurais même plus dire. que je crois qu'on m'avait prêté le jeu et que j'ai je une fois que j'avais fini le premier CD, je l'avais refilé bah celui qui me l'avait prêté pour qu'il puisse continuer sa partie ou je ne sais plus comment ça s'est passé. En tout cas, je l'ai fait qu'une seule fois. Effectivement, on rencontre les Ashford, on en apprend un peu plus. Et puis voilà, c'était une bonne expérience, j'ai trouvé qu'il était très bien. C'était une bonne expérience, mais je pense que, comme on disait déjà pour le 3, c'est que malheureusement, bah, c'est l'épisode bah, qui arrive avant le 4 et qui est la pierre angulaire entre les anciens Resident Evil et les futurs Resident Evil. C'est ça. C'est que bah, il est en pleine mutation, ils savent pas trop quoi en faire, on commence à aller vers l'action, mais on sait. Capcom ne sait pas s'ils doivent aller à fond dans l'action bourrine ou s'ils doivent garder le côté old school survival avec ce Survival sentiment horror, ouais. d'angoisse. Après, il y a des bonnes choses, mais je pense qu'il n'est pas aussi marquant que les premiers. Je pense que même le. Enfin, je sais pas si le zéro il est plus marquant. En fait, c'est Non. ça l'idée. Je pense que le code Veronica est quand même plus On marquant que le zéro en fait. le met juste au-dessus. Ouais. Ok. Bah va pour le Véronica. Alors attends, parce que j'écris en même temps, moi. RE, comme ça à la fin je peux faire un petit résumé quand on aura fini. Ok, c'est bon. Donc on passe à la suite, mais ouais, c'est pas l'épisode le plus marquant, hein. Donc on passe à la suite. La suite, alors qui est après le Véronica? Qui a eu une version X un peu lissée, Ouais. voilà, je voulais le dire. Bah, le suivant, on retrouve Resident Evil 4, hein, on y était. Rien, c'est le 4, ouais. Attends, attends, ah non, c'est compliqué, attends, parce que ça, je sais pas comment ça se passe. C'est pas le 4 normalement. Mais je ne sais plus qu'est-ce que les. Je sais pas si c'est des DLC. Il me semble que c'est des DLC, ça. Le Separate Ways et le Acid Monada.
Ouais, je Attends, crois je que c'est regarde des trucs juste vite bizarres. fait. Je crois qu'il se passe après, ouais. Attends, je crois que le 4 est après. J'essaie de chercher. Attends, parce qu'il y a le 5. Attends, il est où le 4? Merde, j'ai une chronologie, mais j'arrive pas à remettre le. Il est où tu trouves le 4? Parce que là, il n'y a pas mention du 4. Ah merde alors. Ils ont sauté le 4, les mecs. Parce que. Ah non, attends, parce que. Ouais, si, non, ça doit être ça. C'est le 4, mais c'est peut-être comment c'est découpé. Je crois que c'est ça. J'ai un doute. C'est la découpe. Alors, le 4, c'est pareil. Alors, je vais dire franchement, moi, le 4, j'ai à peine touché. J'ai réessayé d'y jouer il y a pas longtemps, mais je ne peux pas. Alors le Je suis 4. désolé, moi, c'est un jeu que j'aime pas. Le 4. Donc le 4, on commence à arriver dans une phase un peu action. Là, c'est plus du. Bah attends, petit C'est. résumé d'abord. Oui, On est non les mais hommes. c'est plus comme les anciens, c'est plus comme le 1. C'est plus comme le Oui. 1, le 2, le Bah déjà, on 3, a le la pic 0. caméra dans le dos. Là, c'est. Ouais, caméra épaule, machin. Enfin un peu plus C'est ouais, ça. dos Ouais, épaule. c'est à peu près Et ça. là, on est plus en mode action que. Là, on est 6 ans après Resident Evil 2. On retrouve Leon S. Kennedy, hein, qui est Léon, ouais, c'est devenu ça. agent secret qui travaille pour Il le travaille direct, président. il est sous les ordres directs du président, ouais, C'est ça. effectivement. Et lui, il est envoyé Pour sauver la comment, fille du président. pour sauver Ashley, la fille du président, qui est retenue en otage par une secte en Espagne. Voilà, on est C'est dans le ça. fin fond de l'Espagne. C'est ça. Et Ça se puis, passe bah voilà. en Europe. Et donc, on Là, va découvrir on est dans. Los Illuminados. C'est ça, une société, une secte qui contrôle tout un village. Mais là, je pense. En fait, je trouve que le Resident Evil 4, on a voulu en faire un jeu trop sérieux par rapport au lore d'origine de Resident Evil. Peut-être. Et c'est ce Ou qui m'a dérangé. un Bah, déjà, moi, tournant, ou je ne sais pas. j'aime pas la scène d'intro où tu commences dans la voiture des deux flics espagnols, là. Et les mecs, tu sais, t'as ce sentiment un peu du shérif avec le FBI ou des trucs comme ça aux États-Unis où ils se battent pour l'autorité, pour des petits trucs de territoire. Et je trouve que bah, le jeu, il commence sur ça. Déjà, tu comprends pas pourquoi. Tu viens quand même, tu viens pour sauver la fille du président. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Rien. Bah, ils Voilà, nous ils emmènent en sont là fait, pour te déposer. ils nous emmènent Ouais, mais sur les lieux, mais je sais pas. En fait, les mecs, ils gueulent dessus, on quoi. n'aurait pas dû mettre les deux Tu vois, ils parlent comme flics. un chien. Ouais, franchement, les deux flics, ils auraient pas dû être là. Et c'était toi qui aurais dû contrôler. Enfin, Mais oui. pas toi qui contrôles Après. le véhicule, mais Après. c'est Léon Après, t'as qui le droit à aurait une dû petite. conduire jusque. Bah, je pense que ouais, le traitement de Léon dedans, je trouve qu'ils l'ont un peu C'est massacré Léon par qui aurait dû conduire jusque-là, et puis arrivé là, il Ça aurait descend été de la mieux, ouais, bagnole, et genre puis avec une carte, tu sais. tu rentres dans le village, et Il puis t'aurait voilà quoi. montré une phase très rapide où il est avec une carte, genre en moto, en voiture, ce que tu veux. Il fait une petite pause et tu le vois, il aurait repris là, comme là. Tac, il avance en voiture comme les flics y font, et puis il s'arrête devant le village, pardon, parce qu'il est pas très loin. Mais Oui, ouais, voilà, je sais pas, il y a un truc dérangeant Ouais, je sais pas, le 4, dans il le est. traitement de Léon aussi. Parce que Léon aussi, il nous fait une petite blague graveleuse sur le cul de la fille du président, quand même. On parle de la fille de la présidente. Alors qu'il est agent spécial pour le compte du président. Voilà, on voit dans certains trucs, il est un peu bon pote, quoi, avec. Mais quand même, On l'a toujours je veux connu dire, il y a des sérieux et limites. tout ça, et là. Ouais, c'est ça, c'est qu'il a perdu. Je sais pas, Et là, je sais j'ai un pas, il petit y a un problème mec avec ça. il a réussi à placer une petite blague dans le scénario. Aujourd'hui, le patron n'était pas là. On tournait des trucs du scénario. Il a dit, vas-y, je place ma petite blague. Et puis, Ouais, c'est après il y a ce passé dans système de le l'enregistrement, marchand tout qui ça. tue un peu partout, t'achètes des Oui, il y a le trucs. marchand où tu dois acheter de. Je suis pas fan, ouais, ok, l'idée, mais Ouais, tu sens que. on voit qu'ils étaient en train. Je pense que le 4, ils étaient en train de tester une Ouais, sorte ils ont de voulu nouvelle faire autre chose. De toute mécanique. façon, on est sur les bases du 5, C'est ça. En il me fait, semble, hein, le 5, on voit que c'est pour une le 4, en évolution. fait, ils ont voulu. Comment Je on a. sais que beaucoup de fans l'aiment bien. Ils ont voulu redynamiser la franchise, en fait, on va dire. Ouais, mais j'ai pas aimé le côté boulet Avec d'Ashley. un nouveau gameplay. Moi, elle m'a gonflé. Et là, c'est le gameplay de merde, tu vois, où tu cours un peu trop loin ou quoi, la meuf elle s'arrête, il faut Ouais, et puis, l'attendre, il faut. elle a une phrase à chaque fois, c'est Let me alone. Ah non! Ouais, puis elle Let esquive pas les me! zombies, enfin, elle Ouais, non, esquive moi, pas ça m'a les gonflé. villageois et tout ça, il faut toujours Après, l'aider. j'aime bien le changement d'univers, par exemple. Et là, on n'est plus Ça sur un apporte quelque chose. virus, on est sur un parasite.
Oui, on est sur le début des parasites. Ce nouvelle variation dans le côté Après, il y avait des trucs genre dès le début, contamination. par exemple, où t'as les ennemis qui pop à l'infini, tu sais, genre si tu le sais pas, bah tu vas finir par mourir ou cramer toutes tes balles Oui, parce que c'est vrai. tu sais pas pourquoi, y a rien Après, qui te prévient de toute façon c'était que. mal fait, mais oui, Ouais, ça veut effectivement. trop faire blockbuster hollywoodien pour un jeu finalement qui aurait dû rester dans Je sais ce pas, un ouais, ils ont minimum voulu dans le partir cadre. sur un côté action, et puis c'est. Ouais. Bah, je sais Je pense pas. que le remake du 2 a montré qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux en fait. Qui a essayé de Moi, coller. le 4, c'est un de mes. C'est un de ceux que j'apprécie le moins. Bah moi j'aime ouais j'aime pas vraiment. J'ai essayé d'y rejouer il n'y a pas Je longtemps, le mais c'est je mettrais. peux pas. Ouais. Et donc. Bah, je le mettrai après le zéro, moi, perso. Ouais, bah pour l'instant, oui, complètement. Je le mettrai en dernière position pour l'instant. Parce que je suis pas fan de la construction du jeu, j'aime pas le scénario spécialement. Après, on rencontre d'autres protagonistes dedans, on rencontre un ennemi. Ouais, on retrouve bah, Ada et Wesker. Là, C'est cette ça. fois-ci, Ada travaille pour Wesker. Voilà. Il y a un ennemi, on se rend compte qu'il était ami avec Léon. Le mec avec son béret, là, celui qu'on affronte au couteau. Je sais plus comment il s'appelle. Il a un pantalon. Ouais, je m'en rappelle plus. Il a un treillis. Je pense savoir c'est qui. Oui, je vois c'est qui. Il a J'ai un le nom treillis vaguement, mais. blanc et noir, et il a un béret rouge. Ouais, il a un béret rouge. Et on l'a. Il a Oui, un bah couteau, c'est le tout ça. mec. Je sais plus comment Bah il c'est le s'appelle. mec qui travaille pour Wesker ou pour C'est Umbrella, je ne ça. sais Et plus, on apprend et qu'il qui est connaît. avec le méchant de l'histoire en gros. Et on apprend qu'il Il y a connaissait le gamin aussi qui me fait triper dedans. Je qui sais pas si tu te connaissait rappelles. Léon. Le nain là ou le gamin, je ne sais pas ce que Ouais. c'est, je me rappelle plus. Mais non, moi j'avoue que je suis pas un fan. Loin de là. Donc on le place après le zéro. Ouais. On est dégueulasse. Voilà. On l'avait dit, hein, Il est dégueulasse de toute façon, je suis pas. c'est selon nos goûts. Donc Voilà, je sais et qu'il y a beaucoup de fans qui adorent ce Resident Evil. c'est vrai. Parce qu'ils ont Moi et j'ai. parce qu'ils ont découvert Resident Evil avec ce Resident Moi Evil-là. j'ai jamais. Ouais, mais moi j'ai jamais réussi à le finir. Alors on a Et passé donc il l'heure est et demie quand dégueulasse. même, on approche l'heure 40, alors faudrait qu'on accélère un petit peu. Donc là, nouveau Resident Evil, donc Resident Evil 5. Bah là, non, Non? monsieur, on passe aux révélations Aux avant. révélations, d'accord. Ah oui, Sorti à l'origine, il effectivement. se place juste avant. Donc Révélation et qui se Révélation 2, base. je crois, non? Non, révélation 2 est entre le 5 et le 6. Donc D'accord, donc dans deux épisodes. Révélation, donc qui se passe à bord d'un navire. D'un cargo, ouais, d'un Oui, navire de de. croisière, le Queen. Je ne sais plus, parce qu'il y a trois bateaux, alors je ne sais plus c'est lequel celui-là, c'est le Queen. Ouais, bref, il se passe sur Je ne sais plus. un Et bateau de là, on découvre croisière. le virus T-Abyss. C'est ça. Et donc on joue. Alors, c'est pareil, j'ai pu y rejouer récemment en Révélation, On c'est la version rejoue. originale. C'est quoi? C'est on Parce que rejoue moi, j'ai joué Chris? sur 3DS. Non, tu joues Jill. Chris, je sais pas si tu joues. Alors en fait, tu joues beaucoup de personnages dans cet épisode. C'est un peu le bordel hein, parce que tu joues Parce que des personnages secondaires du BSA je et. devais le faire sur. Je devais l'acheter sur 3DS, puis finalement je l'ai pas fait. Bah moi, j'ai joué sur New 3DS et je suis en cours. Hein, j'y joue encore un peu. D'accord, moi je l'ai pas encore fait donc. Alors moi, j'ai un gros problème avec ce jeu, j'avoue. Donc il se passe après le 4 et avant le 5. Hein, donc C'est bah, ça. Jill, en fait. Si je me rappelle un peu de l'histoire, c'est il y a une ville qui s'est fait raser par les terroristes Veltro. Ouais, c'est comme ça qu'on dit Veltro. Elle part encore à la recherche de Chris Redfield. Donc déjà, j'en ai marre du truc. Allez, on cherche encore Chris. Non, mais c'est un truc, j'en ai marre, ça, par contre. Bah tant qu'elle Faut l'a pas arriver à un trouvé, cap. elle cherche, hein, c'est normal. Portée disparue. Non, mais le truc, c'est qu'attends. Dans cet épisode, c'est grandiose. Parce que Chris, en fait, elle savait où il était. Mais là, il est de nouveau porté disparu. Et en fait, il est porté disparu sur un paquebot avec sa collègue Jessica. Attention, le truc, c'est que c'est un piège Ah. tendu par Veltro, les terroristes, qui sont censés avoir disparu aussi. Comment dire? Et en fait, c'est Chris à son tour qui va aller à secours de Jill et de. Je ne sais plus comment il s'appelle le mec avec elle, un D'accord. pécor. Donc tu vois le truc,
C'est que tu cours après Chris, mais finalement, c'est lui qui va venir à ta rescousse. Il va à son tour avec ce superbe truc en anglais quand il est dans l'hélico. Il fait un promise. Par contre, il y a un truc que j'adore, un truc que j'aime beaucoup dans l'épisode, c'est que dans le jeu, en fait, entre c'est calqué, c'est des épisodes, un peu comme une série. Et t'as ce fameux, quand tu joues en VO, t'as ce petit truc en VO. En VA, devrait dire, parce que la VO, ce serait plutôt du Jap, mais comme nous, on l'a pas Ouais. cartouche, c'est de l'anglais dedans. Et t'as ce petit previously, je sais pas si t'as vu quand t'as l'habitude de regarder des séries en ricain, Oui. et que t'as ce petit truc quand t'as le résumé de l'épisode, et j'aime beaucoup. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment avec le même style de voix. Mais j'aime aussi beaucoup, parce que comme c'est un jeu que je joue, c'est. T'as des épisodes courts et t'as des épisodes qui sont coupés en trois parties qui peuvent être assez courts et un petit peu plus longs des fois selon les passages. Donc c'est vrai que des fois je me rappelle pas toujours. Ouais. Je me rappelle plus ce que j'ai fait, j'ai joué à d'autres trucs en même temps. Donc bah ça en 3 secondes, je vois, j'attends les premières phrases et je me dis ah ouais, c'est vrai, j'étais en train de faire ça. Donc même sans me taper tout le résumé, je sais que bah je sais où j'en étais. Un peu comme des Q11, quand tu relances ta partie, il y a un petit résumé comme ça, et je trouve ça cool, parce que c'est vrai que des fois, comme j'ai pas le temps de jouer coup sur coup, bah pour les gens comme moi qui jouent par session, c'est intéressant. Mais voilà, après je suis pas fan du bestiaire. Les ennemis, t'as l'impression ils ont tous passé dans ils sont tous restés dans l'eau, tu sais, quand t'as la peau un peu plissée et tout, Ouais. même quand il y a pas d'eau, hein. Il y a des ennemis relous, non, il y a des trucs un peu trop, je suis pas fan. Ça c'est un peu le bordel, parce que là en fait t'apprends que il y a la top du truc, parce que là en fait t'es là à la base pour le truc de base, comme j'ai dit, c'est pour sauver Chris, finalement c'est toi qu'on doit venir secourir, mais il y a un traître dans le, comment ça s'appelle déjà, le double truc qui est pas le BSA, le FBC, je crois, je me trompe pas, je crois que c'est ça la deuxième organisation. Qui disparaît dans cet opus finalement, parce que leur patron c'est un traître hein, dedans, et Oui, on l'apprend dedans. non, En fait, toi forcément. t'es là pour aller chercher de tuer le dernier boss en gros pour récupérer son PDA, parce que dans le PDA t'as la preuve que c'est lui qui a fomenté tout le bordel et qui a laissé une trace en pensant qu'il avait effacé tout. Et en fait, c'est lui aussi qui a détruit les bateaux. C'est pour ça qu'il y a trois paquebots. Et en fait, je crois qu'ils envoient écrit sur le mauvais, ou c'est un bordel comme ça, un bordel sans nom. C'est aussi un épisode où malheureusement, bah, c'est un jeu, ça tient pas longtemps. Parce que moi, j'avais espéré, quand j'avais découvert au début, bah, on te montre un peu le début du bateau, t'avais une ambiance. C'est vrai qu'ils ont retravaillé l'ambiance. Tu sens qu'ils ont voulu en repartir un peu sur de l'ancien, mais c'est un peu trop calqué sur le 4. Finalement, tu le ressens plus, t'avances et tu restes sur un. Tu restes sur un shooter un peu dégueulasse et un peu chiant à jouer. T'as une. Comment elle s'appelle? Rachel qui te court après. Alors elle, tu lui mets 50 balles, tu lui mets des grenades quand tu l'affrontes la première fois. Ils te font croire qu'elle tombe, qu'elle meurt, mais elle revient toujours. Tu dis, mais c'est quoi ce monstre? La meuf, tu lui as mis toutes tes munitions à chaque fois que tu la rencontres, elle revient toujours. Tu te fais au bout d'un moment, vous foutez de ma gueule. Tu sens que t'es arrivé dans les Resident Evil modernes où. Ils veulent en faire trop, et je trouve que c'est ça qui est dommage. Parce que je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Il y avait une petite exploration, il y avait le truc avec le Genesis, je crois que ça s'appelle, le système pour un peu scanner. Bon, il faut pas le faire au gyroscope, ça, sinon tu pètes les plombs. Mais au moins, c'était bien, on te laissait choisir ta jouabilité. Donc chacun pouvait y jouer quand il voulait. Mais malheureusement, c'est pas un bon épisode. Je pense que c'est pas un bon Resident Evil. C'est un bon épisode portable, parce qu'il n'y en avait pas eu jusque-là, à part des dégueulasses. Sur GBA, sur DS, voilà, on avait du sous Resident Evil, mais vraiment bas de gamme. Là, on a un petit Resident Evil 4. Donc, c'est pas mauvais. Mais je Ouais. pense que je le mettrais au-dessus du 4 pour ma part. Mais bon, c'est Parce un truc que. qui te lance sur les prémices du Resident Evil 5, en fait. C'est ça, ouais, tu sens que t'es dans le 4 et que t'es pareil dans le 5 et 6, plus 5 que 6. Mais je pense que je le mettrais au-dessus du Resident Evil 4, parce que c'est la première petite expérience portable où c'est intéressant. C'était sympa d'avoir un Resident Ouais. Evil en portable. La petite 3D qui fait son petit effet. Il y a une petite ambiance quand même, pour moi. Oui, bah oui. Le fait d'être sur un bateau et tout ça. Ouais, le décor changeait un peu.
Franchement, franchement, l'histoire, on repart après le 4 où on a voulu faire un truc hollywoodien qui colle pas. On est reparti dans un truc série B qui colle pas non plus. Donc, on sent que finalement, ils veulent tellement faire quelque chose qu'ils n'arrivent pas à en faire quelque chose. Alors que dans les premiers, ils voulaient rien faire et c'était, en fait, ça tenait, ça, c'était un peu plus crédible sans vouloir être crédible. C'est ça qui est marrant. Les créatures, le bestiaire, il est dégueulasse. Je le dis franchement, moi, j'aime pas du tout. Malheureusement. Mais après, il y a un visuel. Il y a des passages dans genre le casino, il y a des petits passages comme ça un peu marrants, parce que c'est un navire de croisière à Bah l'origine. ouais. T'avais un petit sentiment de retour aux sources où tu veux y croire au début, puis finalement, bah, tu le perds très vite. C'est ça qui est dommage. Mais c'est pour ça que je le mettrais en 4, parce que je pense que c'est un essai peut-être un peu mieux réussi que le 4. Voilà. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi, je le mettrais juste en dessous du 0, Je l'ai moi. pas fait, donc je ne peux pas. J'ai jamais fait, donc je peux pas te dire. J'ai même jamais vu, donc. Bah voilà, bah, je le mettrais là. Franchement, parce que je pense que bah, t'as pas Ashley qui te fait chier. Je pense que le 4 est peut-être plus complet après. Sans mentir, je pense que. Parce que, mais là aussi, t'as d'autres systèmes d'amélioration d'armes. C'est peut-être moins chiant, c'est pas des systèmes d'achat. Parce que, excuse-moi, t'es dans un truc zombie, t'es pas là pour faire des achats, quoi. Ouais. Excuse-moi, le mec qui vient attaque, ouais, bah tiens, je vais acheter plus de dégâts sur mon arme. Moi, je trouve que ça n'a pas de grand intérêt. Hein. C'est vrai. Là, c'est plus des trucs que tu vas trouver, tu vas rajouter des genres de pièces à ton arme, un peu comme dans le remake du 2 ou 3, où tu vas ajouter une lunette, tu vois, c'est plus un peu comme ça que je le prends, moi. T'es un peu plus dans cet esprit-là. Donc, ouais, je le mettrai en dessous du 0 pour l'instant. Donc, passons à la suite, donc qui est le 5? Qui est Resident Evil 5, qui est le Resident Evil que j'ai que j'aime pas beaucoup la mécanique en fait, le gameplay, mais Ouais. c'est celui que j'ai le plus joué et que j'ai le plus comment on peut dire, plus saigné en fait, où je me suis rapproché très très proche du platine. J'ai peut-être platiné, je ne suis même pas sûr. Tu sais qu'un jour, on n'a jamais pensé, mais on pourrait se le faire sur PC en coop un jour. Il existe? Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ben bien sûr, monsieur. C'est vrai qu'il existe, C'est ouais. vrai que. Non, mais on n'y a jamais pensé. Mais c'est vrai que moi, c'est un jeu. Alors, je suis pas un grand fan. Comme toi, je suis mitigé parce que le gameplay reste encore un peu pâteau alors qu'on est quand même. Oh, on est à quelle époque pour Resident Evil 5? On est en 2009, sa première sortie Je sur PS3. crois, ouais. Donc je pense quand même qu'on est près des années 2010. Je pense que le jeu il est quand même un petit peu pâteau, malheureusement. Il est action, mais il est trop action en fait à mon goût. Ouais, après on est parti voilà dans ce truc trop action, trop linéaire aussi. On continue à prendre le chemin de la linéarité dans les Resident Evil, les RPG hein, où ils savent pas quoi faire, comment le faire. Après le jeu est pas dégueulasse visuellement. Oh non, il est pas dégueulasse pour la On PS3. est en petit résumé rapide, on est 11 ans après Spencer, 5 ans après la chute d'Umbrella. Umbrella n'existe plus, C'est ça. on part sur des Néo-Umbrella. Je ne sais plus quoi. J'ai pas aimé le personnage de Chris dedans, je le dis tout de suite. Le mec qui a des biscottos plus grosses que mes cuisses. On sait pas ce qui lui est arrivé. Le mec il a pris des stéroïdes entre Ah bah oui, les non mais trucs. après il faut ça, t'as vu les monstres qui l'affrontent, faut Ah non mais s'adapter. il faut pas abuser. Le mec il a les bras Schwarzenegger alors qu'il a l'air plus deux fois plus petit que lui, quoi. À un moment faut pas abuser. Non mais À un moment faut. je crois qu'il a pris les mêmes choses que Chun-Li en fait. Il a pris du virus T, ouais. ce que j'aime beaucoup parce que ouais donc en gros l'origine Donc il a tient il débarque pour éviter la vente d'armes c'est biologiques ça, au il marché débarque en noir Afrique et il est avec Bah il comme rencontre j'aime l'appeler Sheva Almodovar c'est ça, il rencontre de son vrai nom Alomar. il rencontre une femme de Elle est la badass, une genre de Michonne un peu avant l'heure, je trouve Ouais, un c'est peu. alors elle fait partie de la branche comme lui, elle fait partie de la BSA, mais elle fait partie de la branche africaine. C'est ça? Malheureusement, moi je crois que je suis passé à côté du scénario hein, dans ce jeu. Alors pourquoi? Parce que moi j'ai jamais compris, comme beaucoup, je pense, pourquoi il y a des tribus hein, je Bah tiens à parce le dire. qu'en Afrique, il y a des tribus. Non, bah non, pas en 2000 et quelques, monsieur passe. Bah arrêtez, monsieur, là on est dans les tribus, Mais on se non, mais croirait dans Tintin. en fait, ils ont voulu partir sur un système de. Non, il y a un gros problème avec ce Resident Evil, c'est Mais que en fait, il y a une idée de base non, en encore. fait, ils sont repartis, ils ont fait un mélange avec le 4.
Puisque les gens, la Oui, non, plupart mais je des suis gens qui d'accord. sont Non, mais. agressés, ils se font mettre des parasites, le Uroboros, direct en fait. Enfin, ils sont Oui. tous contrôlés par des. Il y a quelqu'un qui les contrôle avec par le Non, parasite en fait. mais en fait, le Le 5 est parasite censé. Uroboros. Il est censé t'expliquer les origines, mais quand je parle des origines, voilà, c'est des tribus millénaires où on t'explique en fait que le chef à l'époque dans leur village, il était choisi si tu résistais au poison de la fleur qui a créé l'origine des Progénitor. virus de progéniteurs. Voilà. Malheureusement, je trouve que encore une fois dans le jeu, c'est super mal expliqué parce qu'à part refaire. Mais pourtant, si j'ai refait 50 fois le jeu parce que je l'ai fait Ouais. en coop un milliard de fois, Bah parce que oui. je l'ai fait dans toutes les difficultés. Moi, je l'ai fait dans tous les sens et je peux te dire que le il y a juste un moment donné où on voit la plante progénitor et on se rend et Oui, c'est là mais si t'as pas, tu vois, c'est encore une là fois, qu'ils si t'as l'ont pas le recul, en fait, découvert tu tout ça. C'est ouais, tu vrai. comprends rien et puis tu comprends pas où Et ils t'emmènent dans l'aéroport, en fait. C'est un bordel Umbrella en que fait tu traverses des marées. Umbrella qui n'est plus, mais je crois qu'ils alors je ne sais pas si c'est nous Umbrella n'est plus, ouais. je crois que Alors, c'est c'est nouvelle Tricel. je crois que c'est alors Tricel, je ne sais plus si c'est des anciens d'Umbrella qui ont fondé un nouveau truc ou c'est des nouveaux mecs qui se sont dit bah on va faire comme Umbrella mais nous on va essayer de pas se faire choper et il s'appelle Tricel. Mais C'est ça, c'est je pense que Tricel. Tricel, c'est la. Elle appartient à Oui, Wesker. si. Non, il travaille pour eux. Bah, lui, Il c'est travaille pour eux, un ouais, escroc, lui. Ah, bah oui, c'est un donc escroc. Lui, il travaille à son compte. donc ça doit être des mecs, des gros bonnets de chez Umbrella qui ont formé un nouveau truc qui s'appelle Tricel. Ouais, je crois que c'est même pas des gens. Non, je crois que c'est pas lié à Umbrella, parce qu'il y a Néo Umbrella aussi, il faut se rappeler. Je crois qu'on voit dans le 6, alors j'ai un doute. Ouais, mais tu sais, Parce que la patronne, dans le truc des en tout cas, une des dirigeants, dirigeantes, dans le je sais truc pas des si tu te dirigeants, rappelles de il y en Excella a beaucoup en Dione. fait. Dione. Qui ça? La fille, bah, Excella Dione, qui représente Tricel dans le jeu, celle avec le décolleté plongeant, qui sort d'un film porno Oui, la 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 des la, pays de l'Est. la oui Et tu sais pas ce qu'elle fout là au milieu, elle. la Renoir, Là, je veux oui, dire. effectivement. Bah tu as Tu vois, c'est ça le problème dans bah elle ce jeu. Tu vois, ce perso, je pense qu'il représente le problème de ce jeu, c'est que ce soit le décor, que ce soit Bon non, l'action, c'était le côté vu ah, le que côté vu porno. non, c'était le côté femme fatale, tu sais, un peu Bah, comme dans mais les c'est un peu un peu trop. comme dans le truc On n'est pas des dans films James Bond. d'espionnage et tout ça. Bah si, c'était ça, c'était la femme fatale. Ouais, mais là, il y a des zombies au milieu, il y a des mecs chelous, quoi, Ah qui non, c'est pas des voient ta zombies. vie. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux C'est des dire. gens infectés C'est par un des sauvages. parasite. Mais oui, non, mais c'est encore pire. C'est des sauvages. Ah oui, non Excuse-moi. mais bah c'est des enfin j'allais dire c'est Excuse-moi, tu viens pas te promener en Non robe mais de soirée, talons là-dedans. j'allais dire c'est des noirs. Ouais mais elle est je crois qu'elle doit les contrôler ou elle fait partie des Ah oui, il faut se ra gens ou pour qui tu elle me fais bien de me le signaler parce que avant sa sortie, c'était quand même le Resident Evil Ah oui, plus parlé à cause parce qu'il avait c'était été la polémique. On tire sur des la noirs. polémique du. Bah oui, c'était un jeu raciste. C'était Parce que mais carrément, ça se passe en Afrique. c'est ce que les gens y Excusez-moi. disent. Non mais ça veut dire quoi? Aux États-Unis, si tu tires sur un noir dans un jeu vidéo, c'est pas grave, mais si ça se passe en Afrique, c'est grave. Je ne sais Enfin, pas. il y avait Mais Marvin, quoi. déjà. Marvin, dans le 2, tu lui tirais dessus si t'avais envie. Non, On est tu peux pas. d'accord ou pas? Tu peux pas. Si, dans le Non. remake, tu peux. Quand tu mets Je lui ai mis ta. un coup de roquette, monsieur. Oh bon, après le roquette, je Quand sais il est en pas. zombie. Si, quand Ah il est en oui, quand il est zombie, en tu peux. zombie. Non mais voilà. Voilà. Bah, Et il est. Excuse-moi, c'est un zombie noir. comment on appelle ça? Oui, mais là, Mais c'est quoi ce ils étaient pas truc? zombies, ils étaient vivants. Sauf qu'ils étaient Mais on s'en Uroboros, fout, on machin. peut déglinguer. Mais excuse-moi, dans le cas, tu peux tirer sur des Espagnols pareil. Les C'est mecs, vrai. ils ont des trucs, ils se transforment et tout Ouais, mais chelou ils pour sont après. espagnols, ils sont blancs. Mais Et on s'en fout, par contre, ils sont pas la première blancs. scène, si tu regardes bien, la première scène que tu fais quand tu es à pied dans le village, Ouais, quand tu traverses avec les tentes justement de Tricel et tout, ça je me rappelle, ouais. non, les tentes Tricel sont pas encore là. C'était dans le village tout au début là. Quand tu découvres Shiva ou je sais plus comment elle s'appelle là, tu dois aller chez le vendeur d'armes. Ouais, je sais pas. Eh Et ben, ben, y a pas une tu. tente Tricel qui traîne au début Non. avec un. Non, c'est pas maintenant, c'est à la fin. C'est à la fin que tu te rends compte c'est vers la fin que tu te rends compte qu'il y a la société Tricel. T'es sûr qu'il n'y a pas une Je tente crois. cachée avec Ouais, un non, je petit crois. nom Mais en douce? je me souviens qu'il y avait un mec. Enfin, je Parce que crois que Tricel c'était à un la base c'est mec. un truc On gentil voit quoi, des un peu mecs à en train de l'Umbrella. taper sur un sac et dedans il y a quelque chose ou quelqu'un. Et ils sont en train de savater un sac. Oui. Et tu dis.
C'est quoi? C'est un monsieur? Et puis tu vois quelqu'un qui se fait un peu plus loin, tu vois quelqu'un qui se fait choper, qui se fait traîner par les pieds ou un truc comme ça. Et tu te rends compte que c'est la Oui. merde en fait. Ah ouais, non, mais c'est le bordel aussi, ce jeu. Et donc on retrouve Wesker, qui est de On retour. retrouve, Wesker pour son final, on pourrait dire ça. Parce que là, C'est ça. Là, il pète la classe quand même dedans. Ah oui, carrément. C'est Là, la version de Wesker justement après Resident ah, Evil 1 où il s'est le mec il est éjecté matrixé. les Hein. virus. Ah, le mec Ah, il est là, c'est matrixé Matrix. quoi. Le mec, tu lui mets une balle, Ça, c'est vrai. il fait une esquive sur le côté. Genre, hop, Bon, j'esquive. après, ça part un peu en En mode sucette. je glisse. Je glisse. Donc, à un moment donné, donc grâce à un DLC, on apprend que. Parce que ça se passe aussi dans le jeu, mais c'est juste pour vous remettre vite fait. Grâce à un DLC, on apprend que Chris et Jill ont retrouvé Wesker. Non, c'est faux, monsieur. Ah si. Ils ont retrouvé Spencer. Oui, Spencer, on s'en fout. Je parle. Le mec, il Non, est dans son monsieur. fauteuil roulant Non, en train de monsieur. se jeter dessus, à mi-temps crevé. Mais justement, non, mais parce qu'ils tombent sur Wesker, parce qu'ils sont. En fait, Wesker cherche Spencer aussi pour l'éliminer. Et en fait, eux cherchent Spencer et ils ont la même info. Et quand ils arrivent, en fait, ils trouvent Wesker qui vient d'abattre Spencer. C'est ça. Il vient de Mais il venait tuer. pas pour Wesker. Il vient de tuer Spencer. Il trouve Wesker. Donc, redécouverte de Wesker parce qu'il ne l'avait pas vu depuis Ouais. longtemps. Ça repart encore en sucette. Ils se battent et Jill Pousse Wesker. prend Wesker, saute par la fenêtre et tombe dans un ravin bizarre. Enfin, Voilà. un grand ravin. On pense Ouais, que une grande falaise, ouais. Jill n'est plus et on la retrouve. Jill est de retour, sauf que Avec un pendentif. Comment ça s'appelle ce pendentif en plus? Le P30, je crois, ou je ne un sais truc plus, comme sauf qu'elle ça. a une sorte de gros pendentif greffé sur sa poitrine et qui est contrôlé par Wesker. Voilà. Et Qui permet de contrôler, oui, Jill. donc elle se souvient de rien puisqu'elle est complètement automatisée, enfin elle est complètement contrôlée. On l'affronte, on la libère, on ne la tue pas puisque c'est une amie. Et après on va affronter plus tard. La femme fatale, parce que j'ai oublié son nom, Merde, je l'ai dit, comment elle s'appelle déjà? qui s'est injecté le Uroboros, et après on affronte Wesker qui lui aussi Ah bah lui, il a pris la drogue jusqu'au bout, hein, lui qui aussi. s'est mis le Uroboros et tout ça, et on l'affronte Excella, elle s'appelle. Excella Excella, Gione, je voilà. crois. Je crois que c'est ça son. On l'affronte et ce coup-ci on le tue à l'intérieur d'un volcan. C'est ça. Et Où tu donc, mets des patates dans les rochers, attention, je veux ce détail. ah, mais attends, quand t'es balèze, t'es balèze, hein, je suis désolé. Et donc, Whisker n'est plus. C'est ça. Oui, parce qu'en fait, il gardait le contrôle sur le virus jusqu'à ce qu'il comprenne que plus tu lui mets des doses et plus il va craquer et se lâcher, c'est ce qui finit par arriver. C'est ça. Donc il profite de ça et après il le tue avec la seringue. Et le lance-roquette. Oui, aussi. Bah, de toute façon, il y a toujours une Et histoire il y a de toujours un lance-roquette lance-roquette. dans Resident Evil. Bah oui. Donc tu le placerais où et pourquoi? Alors, J'avoue que c'est un jeu de bof quand même, c'est un jeu de bof, mais quand je le tu le prends placerai comme ça. au-dessus de Resident Evil 4 parce que c'est Moi aussi, c'est une meilleure expérience. Alors attends, parce que c'est Resident celui Evil que 4, il y j'ai. a plein de jeux En fait, au-dessus. c'est celui que j'ai plus fait. Ben, en fait, il fait pas partie de mon Moi. gameplay que j'aime beaucoup. Parce que j'aime Non, le mais moi j'aime gameplay bien à le côté l'ancienne. coop. Mais j'aime le côté coop puisque on n'en avait pas, Parce que par contre, parce solo, c'est que dégueulasse. on n'avait pas Outbreak. Solo, c'est Il faut dégueulasse. pas y jouer. Entre l'IA Ah qui non non, te limite tes soins et qui tire n'importe comment en soi, il il snipe trop bien. elle défonce toutes les balles, elle prend les soins n'importe comment. Ah oui non mais Par contre, le scénario était un peu mature. Et puis, comme je te disais, ils essayent d'apporter l'origine de et Progenitor. il y avait beaucoup de comment on appelle ça? C'était là. Même si c'était linéaire, c'était les zones étaient un peu plus larges. Il y avait beaucoup de trucs que tu pouvais détruire. Il y avait beaucoup de trucs différents, puisque quand tu es au début, enfin, tu es toujours en Afrique, mais au début, tu es dans une sorte de village, machin. Tu vas jusqu'à un bateau, après le bateau, il t'emmène jusqu'à un autre endroit.
Après, tu fais tes trucs, après, tu vas jusqu'à un autre endroit. Après, tu as une phase où tu es en véhicule et tu dois tirer sur Bah, t'as des. encore le côté linéaire, hein, voilà, qui finissait par s'implémenter, Ils ont, ils pardon, ont, petit à ils petit. ont, ils ont mis le rail shooter où tu es en voiture avec une Gatling et tu dois tirer sur des motos, des mecs en moto. Tu as du Alors, QTE. tu le mets où, monsieur? Je le mets juste au-dessus de Il y a Resident le Evil 4? 4. Ouais, mais il y a Révélation au-dessus. Oui, mais Moi, je le Révélation, mettrais il quand même fait. au-dessus. Au-dessus de Révélation Je le... aussi? Ouais, je pense. Ouais. Entre 0 et Révélation? Au-dessus de zéro, je dirais. Au-dessus de 0? Parce Bah, que tu vois, c'est pour ça que je t'ai demandé. mine de Donc, entre rien. Véronica et 0? Ouais. Parce que mine de rien, je garde quand même. J'ai presque envie de le mettre au-dessus de... De Ah non, peut-être Véronica? pas Véronica. Non, non, Ouais, non, non, pas Véronica, Véronica non. quand même. Parce qu'en fait, j'y ai beaucoup joué malgré que j'aime. Je suis pas fan du Moi aussi. gameplay, mais. Je me suis amusé. Ouais, j'ai pris plaisir à Et traverser quand même, et le puis... côté coop fait C'est le côté... Bah, que. c'était la première fois qu'on pouvait faire un vrai Resident Evil en Oh, coop. c'est vrai. Et le Pour côté nous, coop. surtout, mais surtout dans l'histoire, en campagne. Le côté coop amène pas mal de choses quand même, quoi. Bah, c'était Donc. beaucoup plus sympa. Bah, c'est Ouais. pour ça que je te dis, un jour, il faudrait penser Faudrait à penser à se le le faire, faire hein. un jour, ouais. Donc après, on passe à quoi? Bah, j'avais dit Révélation 2. La Alors ça, Révélation 2. on peut se le faire très vite, hein. Oui, on va faire très Alors, vite. Hein. tu as pas joué, Non. j'imagine? Non? J'ai même Bon, on jamais va vu. faire un bref. Bah, je vais vous faire un petit résumé. Donc, on est en train de le 5 et le 6. On a Claire. Bah, on retrouve Claire et Barry dans cet épisode, mais en Donc, deux duos. En fait, c'est deux binômes. le retour de Barry. C'est la première fois qu'on a le retour de Barry, mais pas pour les bonnes choses. Parce qu'en fait, on retrouve Claire, encore une fois, qui est au mauvais endroit, au mauvais moment. Il y a une soirée caritative qui est prise d'assaut par un commando. Donc, elle se fait comment dire, enlever avec la fille de Barry Burton. Et donc, elle se retrouve encore dans une prison, sur une île infestée de monstres. Hein, merci. Le deuxième binôme, bah, en fait, c'est Barry qui va aller à la recherche de sa fille, forcément. Mais Forcément. 6 mois après. Donc, on va Ah jongler oui. entre le duo Claire et le duo Barry. Alors, le gros problème, c'est qu'encore une fois, comparé à Révélation, par exemple, là, on retrouvait un jeu en coop. Ouais. Donc, c'était cool, de C'était cool. base. On retrouvait Révélation, mais peut-être en coop, ça aurait pu être cool. Malheureusement, hein, le gros problème de ce jeu, c'est que le deuxième joueur ne sert à rien. Parce D'accord. que dans un duo, en fait, le duo, si je me trompe pas, c'est Claire. Le deuxième perso, bah, en fait, il fait de la lumière avec sa lampe torche pour éclairer l'autre qui tire. D'accord. Tu veux l'idée? Il y avait une Et phase, dans il y avait une le... phase comme ça dans le 5. Oui, ouais, non, mais Où sauf que t'étais là, dans c'est la pire mine parce que... et le deuxième devait tenir la lampe Oui, mais torche tu... pour que le premier puisse Ouais, mais tirer. tu pouvais la poser. Oui, tu pouvais la Et poser, ouais, aider. c'est vrai. Là, non, Bah l'autre perso ne sert à c'est rien. pas dans Secret of Mana ou je sais plus, il y avait un truc Non, c'est où Final Fantasy c'est. Chronicle, je crois, le Je nom. crois, ouais, où il y en a un, Sur il tient la GameCube. lumière et toi tu t'affrontes les autres. Ouais, tu pouvais poser, tu te promenais avec ton truc pour pas. Parce qu'il y avait la mana autour, ou je sais plus quoi, un Ouais. poison, sinon. Donc voilà. Et dans le deuxième duo, tu as Barry. Barry, mais alors lui, avec qui il est? Je sais plus, il est avec qui, mais un autre perso aussi, pareil, gamin, mais elle renie. Tu vois à travers les murs où ils sont. Déjà, D'accord. le truc, il veut rien dire. Pourquoi tu vas les voir à travers les murs? Parce que la meuf, elle les renifle. Ah oui, ouais, d'accord. Tu vois, elle te dirait attention, il y en a un derrière, mais là c'est non, tu les vois en translucide, tu sais un Je peu, l'ai tu vois, genre reniflé, il est là. Ah, démarcation. il bouge, tout Voilà. ça, je vois sa silhouette, sa tête. Ouais, d'accord. Tu découvres un peu plus Alex Wesker, la sœur entre guillemets de Non. Wesker. Hein. Le fils. Non. Alex Non, le Wesker. fils. Mais non, Alex. le fils. Mais non, c'est une femme, monsieur. Le fils, c'est Jake, c'est dans Ah le 6. d'accord. Donc c'est Alex, c'est une fille, d'accord. C'est la sœur, Voilà, c'est ça? donc elle c'est une méchante, ouais, c'est la sœur adoptive en gros. Ah, attends, c'est encore plus loin. En fait, c'est sa femme et c'est sa sœur, sans être sa sœur. Ah le salaud. Bah oui, parce que c'est avec lui qu'ils ont leur fils Jake. Parce Ah que le c'est pas, ils salaud. sont pas frères. Bah non, mais ils sont pas frères et sœurs. Ils y viennent juste du même projet. C'est pour ça qu'ils sont considérés comme frères et sœurs, comme D'accord. les 10 autres. D'accord. Mais c'est que des enfants kidnappés à l'origine. Ah oui, d'accord. Ah, puis ça tombe, il a pas couché avec, ils lui ont peut-être fait une insémination artificielle.
Donc en gros, c'est de la merde le jeu. Pour pas faire de fioritures. Non, mais c'est vrai. C'est de la merde. Si tu nous refais le coup de Lille, Code Veronica, tu nous mets un deuxième perso qui sert encore moins à rien que 5 quand tu joues tout seul. Tu vois le truc. Alors que tu peux jouer avec quelqu'un là, mais là il te sert pas. Même si tu joues avec Et quelqu'un, même donc si il y tu a un joues gros avec quelqu'un, problème. le mec est dégoûté, quoi. De temps en Non, temps, mais c'est en... on peut Bah oui. changer. Non, mais en plus, tu sors du 5, tu te dis, mais comment t'as pu passer à l'idée? Ouais, on va faire mieux, le mec, on va lui mettre une torche. Ouais, c'est ça. Et il sert à rien. C'est genre. Vous voyez dans Rayon Civil 5, le côté de la mine? Ouais, où Claude il tient la torche? Ouais. On va garder ce moment-là, mais sauf qu'il peut pas poser la torche. Voilà, on D'accord. sort des nouveaux méchants ça aide pas, ça fait pas avancer le scénario, donc ou le Ouais. lore, tu t'en fous un Ouais, on peu. s'en fout. C'est franchement, c'est de la merde, D'accord. c'est un résumé du. Moi, je Donc, le mets tout en on le bas. met tout en bas. Franchement, ouais, il y a des bons petits passages, d'énigmes, clins d'œil si tu veux comme Oui, ça, mais voilà. Donc, on va passer à rien Resident Evil d'intéressant. 6 maintenant, c'est ça? Attends, je le mets tout en bas. Je veux pas l'oublier. T'es tout en bas, t'es puni. Donc on passe au 6 cette Donc, à fois-ci, Resident avec Evil 6. Ilatis. Donc, Resident Evil 6, alors Ah, là. Resident Evil 6. Alors là, Resident Evil 6, que je vous explique vite fait, c'est un joyeux millimélo Bah c'est plusieurs campagnes, hein. où il y a plusieurs campagnes. Donc on a une campagne avec. Alors les campagnes ne sont pas ensemble. C'est des campagnes différentes, avec des lieux différents, des histoires différentes. Donc il y a la première campagne où on retrouve C'est Léon la première? Léon. Avec comment elle s'appelle la fille dedans? Je ne sais plus. Elena. Elena, c'est ça. Par contre, c'est une random et tout ça, donc voilà. Donc, Ah si. on doit. Je ne sais plus. Je sais que on est dans un truc d'investiture où je ne sais plus. Il y a Oh, c'est un bordel à résumer le 6 parce que comme il y a quoi, il y a 4 ou 5 campagnes, je sais même, tu vois, je sais même plus y a, y moi-même, a, je le donc, dis en franchement. gros, on est dans un truc où il y avait. Une sorte d'école ou je ne sais plus quoi. Il y avait un truc. Je sais qu'il y a le président et le Bah ça président. démarre, t'es dans une université et en fait Léon est avec le président mais il s'est fait, en fait il y a une attaque terroriste Il y a encore une une attaque fois, terroriste normal. pendant un meeting du président et le président est infecté. Voilà. Et il Et le devient président zombie. et il meurt. Voilà. Et on tue le président. Enfin, Léon tue le président. Et on se rend compte qu'il y a une nouvelle attaque terroriste, bioterroriste, pardon, qui Et ça se refait, passe à plusieurs endroits en qui même temps refait, aussi, dans le monde. ouais, qui refait qui refait des vagues en fait, qui refait des monstres et tout ça. Donc, on va y aller tout de suite en disant, il y a plusieurs binômes. Il y a Léon, Chris et Pierce. il y a Léon et la Elena. meuf et Elena. Il y a Chris Jake Redfield. et... Et Ouais, Chris Pierce, Redfield. deux agents Pierce. Du BSA. deux agents du BSA, qu'on découvre, qu'on peut découvrir Pierce dans les mangas qui ont été faits spécialement pour avant la sortie du enfin qui sont pour découvrir le personnage de Pierce dans le 6. On a Jake. Et chérie, Et Sherry, Sherry Birkin, donc le donc fils Wesker et la fille Birkin. c'est ça, la fille Birkin qu'on retrouve qui a grandi, et Jake qui est le fils de Wesker, Qui aurait l'antidote dans son sang. c'est ça, à peu près, Disons-le. et je dis pas de bêtises, et il y a un scénario avec Ada. Ada et Agent. Il s'appelle comme ça, il s'appelle. Là, on est. En fait, on a le dernier truc où il y en a qu'un qui joue. On se retrouve dans Révélation 2. Où le mec il est OSEF quoi. Donc et il y a Ada. Donc c'est un joyeux méli-mélo, mais si vous êtes fan de Léon, de Chris, bah vous vous retrouvez avec un jeu où il y a deux scénarios, enfin plusieurs scénarios, mais il y a le scénario de Chris et il y a le scénario de Léon. Donc ça c'est cool. Pareil, celui-là, Ouais. il est jouable. Ils sont Mais comme ils sont en duo, dis-le, c'est de la merde. C'est de la il merde. est jouable en coop.
Dis-le, c'est de la merde. La version de Léon, ils ont essayé de reprendre sur le côté caméra et tout ça de Resident Evil 2. Non mais franchement, on va le dire, le seul intérêt du jeu, Ah bah moi j'ai aimé. c'est les premières minutes du scénario de Léon. Ah bah moi j'ai aimé le scénario Léon. Après au niveau Ouais, des mais il y games. a que ça. Après au niveau des gameplay, on retrouve. Franchement, c'est un jeu où on commence à mettre des patates, on commence à faire du kung-fu pour se battre contre les Ah zombies. non, non, dans le 5 il y avait déjà. Dans le 5, Non, mais là, c'est pire, dans le là. 5 c'était une balle. J'ai vu des runs où le mec Là, c'est met. Shaolin Zombie, Ah le truc. bah c'est dans le 5 c'est ça, hein. Dans le 5 Ah, c'est j'ai bon, vu des c'est quand runs même où le moins dans le mec c'est 5. une balle, un coup de pied, une balle, un coup de pied, une balle, un coup de Non, pied. mais ça, c'est les mecs qui maîtrisent le jeu. Dans le 6, t'as même pas besoin de maîtriser le jeu pour que ce soit comme ça. Tu l'as d'office tout le temps. Ah Il suffit bah juste que oui. tu gères ton endu. Quand t'as Jack, tu peux y aller à base de patates pendant toute la run. Ah T'as non même des mais phases où oui, t'es obligé ouais, d'être en mais lui patate après voilà, contre des mecs surarmés. il est mutant, mutanisé et tout ça, laisse tomber Non, quoi. mais le 6, ça part trop dans des délires abusés. C'est, là, on est de limite dans le type Ouais, japonais extravagant, un mais bon jeu. c'est mais ça reste Qui se prend. Non, mais là, ça se ça prend en sérieux en reste plus, un Resident etc. Evil Co-op et tout ça, donc Ah ouais, mais c'est moins bon que le 5, c'est carrément en dessous du 5. peut-être, mais c'est un co-op quand même. Non, mais juste. Non, Pareil, franchement, la coop, elle le sauve pas. Franchement, la coop, c'est elle un le jour tu sauve veux le pas. faire aussi celui-là. Ah non, mais je l'ai fait. Justement, c'est pour l'avoir fait que je sais que. Moi aussi, je l'ai fait. Je trouve que c'est une bouse immonde pour Resident Evil. Pour moi, c'est ce qui aurait pu tuer Resident Evil, hein, je le dis franchement. Parce qu'il nous reste le 7 à parler après, mais je pense que c'est le jeu qui aurait pu tuer la La licence. licence. Est-ce Parce que là, on est que vraiment dans l'action, est-ce qu'il est-ce n'importe quoi. d'à côté, est-ce qu'il ne l'aurait pas fait? Et est-ce que le 7 ne l'aurait pas fait revivre? Bah, justement, c'est. Bien que Non, moi plus le le. 7 j'aime pas. Hein. Oh là là. Je te le dis. Si, moi, il y a une partie que j'aime, il y a une partie que j'aime pas, mais on en reparlera après. Non, bah moi j'en Mais reparlerai après celui-là, parce que j'ai. je t'expliquerai Oui. vite fait un truc. Non, mais moi aussi. Mais le 6, non, je trouve rien à sauver, quoi. Je pense que le 5 est quand même. Je trouve que c'est une meilleure expérience, c'est un peu plus posé, c'est moins bordélique. Là, c'est encore pire. En fait, c'est le 5 où on s'est dit, bah, le 5, ça va, ça a marché. Les gens, ils ont aimé la coop et on a voulu faire pire. Après, c'est vrai, bon, il y a plusieurs scénarios, donc ça donne une meilleure durée de vie, Oui, mais c'est c'est tout le ça. temps linéaire, C'est ça. c'est trop barbare, c'est toujours ce côté on en veut plus, on va vous en donner plus, mais ça devient nanardesque, mais c'est même pas nanardesque parce que ça se prend au sérieux. Je sais pas, c'est compliqué. Parce que par exemple, le début du scénario de Léon, t'as un côté un peu film d'animation, tu vois, genre les premiers. T'as un peu ce côté-là où tu Oui. sens qu'il y a un petit quelque chose, mais finalement, bah, ils savent pas où aller, et en route, ils se perdent. Alors que dans le film d'animation, bah, comme ça dure 1 heure et demie, ça va. C'est vrai. Et ils ont réussi à se contenir, à se dire, c'est bon, les gars, on n'a pas pété les plombs, on n'a pas tout balancé la sauce. Ils se sont calmés, tu vois. Mais non, là, dans le 6, si, non, ils ont voulu trop. Non, c'est. Et puis le Daoung agent qui sert à rien, non, mais ça, c'est le pire de tout. Comment, quand t'as pu faire ce scénario, tu t'es dit on va faire Révélation 2, les gars, et on va leur mettre un double scénario comme ça? Non, mais c'est vrai, comment tu peux te dire avec quelques années d'écart, tu t'es dit ouais, ça c'était une bonne idée? Ah, moi je joue à Jean, je peux rien faire, je peux pas toucher aux énigmes. Je peux juste regarder, j'ai pas le droit. Je suis là, mais je la suis, je suis là et je la suis. je peux tirer, mais j'ai pas le droit de faire les énigmes ni aider. J'ai pas le droit. Ah, c'est moi, j'ai trouvé l'énigme, mais j'ai pas le droit d'aider. Ah, c'est dégueulasse. Non, franchement, je Bah, trouve rien à c'est sauver à bizarre cet parce que, épisode 6. en fait, je l'ai fait. Il y a un dino boss dedans. J'ai fait Ada, mais je me souvenais pas qu'elle était avec quelqu'un en fait. Oui, parce qu'il sert à rien, c'est tout à fait ça. De toute façon, il faut le jouer tout seul, son scénario. C'est le seul que tu dois pas faire en duo. C'est ça. Donc, tu Non, le mets où? franchement, moi je le mettrais bas. Mais ils ont, Perso, mais au niveau des scénarios, enfin au niveau des trucs des personnages et moi tout je le ça mets en dessous dedans, du 4. j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses. Non, le 4 est Genre plus intéressant. quand ils font le truc avec t'as la phase où t'es avec Chris et tous tes soldats et que
Non, sans déconner, je peux pas le mettre au-dessus du 4 parce que le 4, quand même, il m'irait inventer quelque chose. Je tu veux dire, vois le 4, c'est il a marqué la tu série. vois mourir tous tes soldats et tu retrouves Chris plus tard complètement Le 4, il a apporté quelque chose, j'ai complètement envie de dire. perdu et tout ça, complètement déprimé. Le mec ne fait plus partie du BSA ou il Non, mais tu peux pas le mettre au-dessus du 4, monsieur. Le 4, il apporte quelque chose. Non. Autant, je veux dire, on l'a certainement sous-estimé parce que c'est nos goûts, je suis d'accord. Bah, moi Mais autant t'as personnellement, je d'autres le mettrais plus. au-dessus du 4. Non, il mérite d'être en dessous. Le Au 4 est quand même meilleur. point de vue de plus, il y a plusieurs scénarios, t'as plusieurs personnages à jouer, tout ça, c'est cool. Ouais, mais il est Le 4, j'aime dégueulasse. pas. Le 4, je l'aime pas, je le trouve dégueulasse. Ouais, mais il était pas aussi dégueulasse que ça. Ça part pas d'assez. Il Le y a problème, c'est Léon, que il les y a coups. Léon, il y a Léon, mais en Ah bah, dans mieux. le 4 Non, aussi. en mieux, il est en phase. Il est en phase Non. de remake et tout ça, donc Non, si. le. Je Non, le suis désolé, 4, il moi est je peux. Moi meilleur. je peux pas, moi j'aime pas le 4. Pff, je sais, moi non plus, j'aime pas la base, mais. Et le Franchement, 6, le je 4. l'aime pas non plus, mais le 6 pour moi il est au-dessus du 4. Je suis désolé. Point de vue scénario, point de vue tout, il est au-dessus. Allez, parce que j'aime bien faire grincer les dents, je veux bien que le Ah non mais moi 4. voilà, le 4 j'aime pas, le scénario est pourri et tout ça. Les mecs Ah, ils le sont 6, bizarres. putain, j'aurais jamais pensé que le 6 il serait si haut quand même. Parce Eh que pour si. l'instant, il est avant. Ouais, c'est ça. Donc, bah, on passe au dernier épisode. Mine de rien, on est à 2h15 quand même. Le dernier épisode. Hop, le dernier Putain, je épisode, pensais que le. Resident Sans Evil déconner, 7. j'aurais pensé qu'il serait arrivé dernier, moi, le 6. Parce que c'est vraiment pour moi un 9. Non, ça va trop loin, ça va trop loin. Attends, Resident Evil 7, donc pour moi, personnellement. Allez, vas-y. Attends, qu'est-ce qui se passe dans le 7? Ah bah alors dans le 7, On est quelque temps après Resident Evil 6 et on joue Ethan qui cherche sa femme Mia, monsieur, parce qu'elle a disparu. on a un mec random qu'on ne sait pas de où il sort. On sait pas qui c'est, on sait Il pas a qui aucune t'es. formation militaire, c'est juste un mec lambda quoi, un journaliste ou un truc, voilà. Le mec se pointe en disant bah il y a ma copine qui a disparu. Dernière nouvelle, c'est ici, je viens voir ce qui se passe. Et on se retrouve dans un truc genre la colline à des yeux. Alors je tiens à dire, par contre, voilà, je veux être juste et honnête, j'ai pas été au bout du jeu, perso. Ah bah, tu J'expliquerai m'étonnes. pourquoi. Alors Non, mais moi, j'expliquerai pourquoi. alors le côté maison et tout ça, où t'es en vue première personne, genre plus, c'était beaucoup plus. Enfin, le jeu est fait pour la VR déjà. Mais pour moi, je trouve que ça aurait fait un bon Silent Hill Pity, mais pas un rien civil. Bah c'est ça mon problème en fait justement. C'est que c'est pas un Resident Evil pour moi le C'est 8. moi non plus. Quand j'ai vu ça, les gens ont dit, oh, c'est génial, c'est génial. Moi j'ai vu la démo, j'ai fait non. Bah non. Franchement j'ai joué au jeu, j'ai été jusqu'au moment où justement tu commences à voir les tas de boue là, je sais même pas comment ça s'appelle, Oui, c'est ça. et que j'ai compris que les seuls méchants que j'allais affronter en termes de zombies, de trucs, ça allait être des tas de boue. Et que on allait Que juste me recoller Resident tu croises Evil, enfin en amenant Mister Chris. que dans les autres Et jeux, que tu que. croises Mister X ou Nemesis et que tu dois l'esquiver, d'accord. Mais que là, Non, mais la famille de taré, elle est géniale. tu croises une vieille et tu dois te cacher derrière des caisses. Non, bah non. Non, c'est un Resident Evil, tu te caches pas. Tu te caches pas. Non, mais franchement, Et c'est le une très mec. très bonne expérience, hein. Oui, C'est ah alors. pas. C'est ça le Oui, truc. mais pour moi, c'est pas un Resident Evil. Mais c'est un très bon jeu. Je le dis. C'est un très Ouais, bon moi jeu, c'est aussi. magnifique. C'est Avec ça le problème. les cassettes que tu regardes. Tu Bah, c'est que regardes. le truc, c'est. Non, mais il y a un problème de toute façon où tu vois que le problème, c'est que t'es dans un bon jeu de. T'as une putain d'ambiance de ouf. C'est clair. Sincèrement, on va pas Mais se mentir, je te tout ça. dis, Le début, quand tu le vois le une début, fois que tu tu roules rentres. sur le jeu, c'est fini. Le jeu, C'est quand ça le t'es au problème début, tu aussi. rentres dans la maison et tout ça, tu fouilles un peu. Pour moi, ça me faisait penser au couloir de Pity et tout ça, tu sais, dans la Ouais, démo. non, je suis Et d'accord. je me suis dit que ça aurait. Franchement, c'est pas mal et tout ça aurait pu Non, faire un mais bon. même l'ambiance, la L'ambiance et perversion, tout la ça. violence physique, t'arrives, on te coupe le bras dès que t'arrives, quoi.
Par contre, Merde, oui, tu fais, ça. c'est quoi ça? Oui, c'est après, Qu'est-ce qui se j'ai le passe? truc où tu te retrouves attaché sur une chaise, T'as machin. vraiment cette sensation de flip au début, tu te fais où je suis Tu tombé quoi? te retrouves avec la famille d'une colline, la colline à des yeux et tout ça. Tu dis, ouais, d'accord, c'est Après, chelou. je me dis, en contrepartie, je dirais quand même aussi, mais comment renouveler un Resident Evil? C'est ça qui est compliqué. C'est ça, Est-ce que oui, c'est c'était vrai. justement pas le. Parce que franchement, regarde-moi, en fait, le truc que je vois, ce que je me dis, c'est que le problème, c'est que si tu regardes tous les jeux d'horreur que j'ai pu faire ces dernières années, c'est par exemple Outlast, c'est genre Pity, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est un peu dans les jeux ambiance comme ça, c'est Layer of Fear, qui est sympa aussi dans l'esprit un peu tourmenté, barré, Ouais. comme ça, que j'ai vraiment bien aimé. Donc je trouve que le choix du FPS, de l'ambiance et tout, bah Ah non, peut-être mais qu'ils ont bien fait. il est clairement, c'est clairement le premier Resident Evil VR prévu pour et tout ça, mais là-dessus, je Mais je trouve pense que. que je suis complètement d'accord avec Mais en fait, beaucoup de personnes où. on retrouve le travers de Resident Evil, c'est qu'on Ah essaye oui, c'est un de nous vendre. c'est une sorte de survival horror machin On VR, essaye. ça a Ouais, non, mais l'air c'est qu'on essaye de nous vendre. l'expérience est géniale, Rattaché au lore de Resident Evil, mais en mais fait, rattache. encore une fois, c'est très mal fait. C'est ça, et il apporte rien en plus. Et puis, quand t'as passé la moitié du jeu, c'est fini, quoi. Le Ah bah jeu, oui. c'est ça devient n'importe quoi, En tu roules plus, dessus, à quoi. la fin, tu ne sais pas pourquoi, mais les mecs ils T'as disent plus peur après. t'arrives à la fin du jeu, et le mec te dit oui, alors on l'a pas fait depuis tout le jeu, mais on s'est dit qu'à la fin ça pourrait être cool. Alors il y a un choix, toi tu te Non guéris. mais moi un jour il faudrait que je regarde la fin. Ah bah en fait, à Ah la oui, il fin, faut c'est ça. sauver la Tu femme ou te pas, c'est ça la guéris, fin? t'as une seringue, soit tu sauves ta copine, soit tu sauves la meuf qui t'a aidé pendant tout le jeu au niveau du téléphone, que tu ne connais pas. Voilà. Et puis à la fin, t'affrontes toute la famille qui se sont rassemblés en mode boue, mais géant. Tu les tues. T'as un hélicoptère qui arrive. Et c'est là que j'ai pas compris. T'as un hélicoptère de Umbrella qui arrive. Il y a un mec qui descend. Il enlève son masque. Et il dit, je suis l'agent Redfield. Et vu comment il a été fait au niveau du visage et du physique, tu ne sais pas si c'est Chris Redfield ou si c'est son fils. T'as aucune truc. Non, il me Le semble seul que ça a truc. été validé que c'était Chris. Eh ben, le mec, il a rajeuni par rapport au 5. Et au 6, il est plus Ouais, donc c'est le maigre. bordel, ouais. Bah oui, bah parce que les gens ils avaient critiqué les biscottos abusés. Il est chez Umbrella. Tu sais pas ce qu'il fout là. Tu sais. Alors apparemment, ce que j'ai compris et ce que j'ai lu et tout ça, alors il serait chez Umbrella, mais c'est la version gentille d'Umbrella qui est un peu le côté BSAA, tu sais, de Umbrella. Et tu te dis, Sachant qu'Umbrella n'existe plus, hein, normalement. tu te dis. Donc tu sens que c'est pour le petit clin d'œil, le petit Bah oui, et truc tu dis nostalgie. ouais, d'accord. Et en fait, le seul truc qu'ils te disent. En fait, ils ont mis ça pour te rappeler. N'oubliez pas, hein, c'est un jeu Resident Evil, donc ça fait partie du Resident Mais c'est Evil. Hein. ça le Et problème, tu c'est dis que oui. ah merde, pendant tout le jeu, j'avais complètement oublié. Et c'est là que tu me rappelles que. Oh, et puis le coup de la Entre vieille, sans guillemets. déconner, moi je l'ai. Entre Putain. guillemets, il fait partie du lore, quoi. Et Mais c'est ça, c'est oui. tu te rends compte que la petite fille, en fait, c'est la vieille. Et tu dis, d'accord. Oui, parce qu'en fait, il t'explique quand tu vas chercher un peu dans les détails que Mia, en fait, c'était une super agent secret qui protégeait une arme biologique, qui Oui, c'est s'est sur ça. un bateau, qui s'est échoué, et puis qu'en fait, en fait, c'est la vieille. Mais le truc, c'est que la vieille, tu comprends qu'au bout d'un moment, il y a un truc louche avec elle. Tu dis, parce que pendant tout le début, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et elle parle jamais, il n'y a jamais rien, pas Ah, d'interaction. mais Tu sais qu'il y a un truc douteux et par tu contre, comprends. Moi, alors moi j'avais j'y ai compris pas qu'il y avait un joué, truc mais pas j'ai net vu des avec ça. vidéos, j'ai suivi des let's play. Je suis désolé. La vieille, elle est canon. Pas canon physiquement, mais Oui. la meuf, elle est dans un fauteuil roulant, dans un couloir. C'est le truc qui me fait le plus flipper au monde. Elle ne bouge Mais je. pas. Tu passes à côté, tu ne sais pas si elle va se lever, si il va Bah, se j'ai passer arrêté un peu quelque après ça, chose ou quoi. quelques Donc tu heures, te dis, quelques temps après ça. elle, dans un couloir machin, à la sauce un peu Silent Hill, Pity, machin, tu dis, ça le fait. Mais le après, t'enlèves le côté, t'enlèves le mot Resident Evil, machin, le côté
Je dois me cacher Enfin, parce que. ils auraient pu en faire une nouvelle licence, moi je Ils trouve. auraient pu Ils avaient faire une putain une nouvelle d'idée. licence. Après, ils ont fait une nouvelle licence avec Until Dawn et tout ça, là. Non, mais je parle vraiment Mais oui, ils auraient ce pas. jeu, quoi. Ce jeu-là, ils auraient pu partir sur un nouveau. Garder ce jeu, virer le truc Resident Evil qu'ils ont rajouté Ah à oui, l'arrache, et puis ils auraient pu en faire un jeu à la Outlast, tu t'enlèves vois, le nom même s'il n'y a Resident qu'un Evil épisode. complètement. Mais il fallait que ça se vende, donc il fallait mettre Resident Evil. Ouais. C'est mon plus gros problème avec ce jeu Ah, moi aussi, c'est aussi. que. Et le problème, c'est que t'as ce truc, bah voilà, la première moitié, elle est sympa parce que tu flippes, t'arrives ici, t'es perdu, donc C'est vrai forcément, que tu retrouves un le peu de ce côté, côté le père qui te pourchasse et tout claustrophobie. ça, et que Ouais. tu dois te cacher, tu dois l'esquiver, machin. Non, il y avait D'accord. des bons délires, Il y a mais des bons après, le délires, problème, c'est qu'après, c'est mais fini. c'est pas un Resident Evil pour moi. Après, le problème, c'est que tu prends trop la confiance et pour te dire, j'ai même pas été jusqu'au truc pourquoi c'était Resident Evil. Moi je l'ai appris pas mal de temps après. Mais quand j'en ai eu marre de tuer quelques bouses et je me suis dit, c'est ça les seuls trucs. Il n'y a pas de truc zombie, on va juste me dire que c'était la famille. Parce que je sais Oui. même plus pourquoi la famille, elle est reliée aussi directement par rapport à un truc aussi. Non, 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 c'est juste que le bateau, il s'est échoué juste devant chez eux, en fait. Oui, non, mais ils sont contrôlés par la fille, Et enfin, la par la fille, vieille, quoi. le père, il devait se promener comme d'habitude. Non, mais c'est des consanguins Et aussi, arrête. le père a été Pas contaminé, d'origine. le père a été contaminé par la petite fille, en fait, ils ont ramené la petite fille à la maison. Et la fille, elle contrôle toute la famille, quoi, parce qu'elle veut une famille, ou je sais pas trop Ouais, mais quoi. c'est. Voilà, oui, c'est ça, c'est qu'elle n'aime pas la solitude et donc elle cherche une famille. Et donc, elle les a tous Ah, il faut infectés, en arrêter, fait. quoi, c'est. Oh là là, Et les mecs, ils bouffent c'est des trucs n'importe quoi. dégueulasses et tout, t'as l'impression. C'est ça, le côté Alors que dégueulasse et tout, ça, la c'était famille, génial. elle était cool, quoi. Il y avait un petit quelque chose. Ouais, ça, une sorte de famille. Ouais, non, je sais pas. Où est-ce qu'on classe alors La ce dernier colline a Resident des yeux. Evil? Parce que Bah. mine de rien, on approche les 2 h 30. C'est le plus long Alors. épisode de PAD. Resident Evil, moi je le mettrais vers la fin en fait parce que je l'aime pas. Je l'aime Bah, je pas t'avoue que je suis pour pas un fan, Resident hein. Evil, mais son le pour pas si c'est pas un Resident Evil, On le met au-dessus du 4 ou pas? ouais quand même ouais, Les talents. quand même parce que On le met au-dessus du 6 ou pas? non. Pas jusque-là quand même, j'irai pas On va faire jusque-là. grincer des dents, hein, je tiens à dire. Ah peut-être, mais moi j'irai pas jusque-là. Après c'est mes goûts, c'est voilà, mais C'est vrai. Non, moi je le mettrai pas. Franchement, c'est une putain d'expérience aussi. Franchement, c'est peut-être même le Resident Evil par le nom qui m'a peut-être donné plus de sueur froide, je dirais. Mais c'était pas pour un Resident Evil. C'était pour un jeu d'horreur. Je veux dire, j'ai c'est eu un autant de très bon, c'est sensations. un très bon J'ai eu jeu d'horreur. l'impression. Pour moi, c'est C'est pas un un Resident Outlast Evil. pour moi. C'était un Outlast, un truc dans ce genre-là. Donc c'est pour ça que je peux pas. Sinon, si ça avait été vraiment plus mieux foutu. Mais encore une fois, Capcom s'est pas intégré les trucs. Ils ont du mal avec ça. Et ça, on l'a Bah, dit sur plusieurs c'est épisodes. leur essai, quoi. Ils ont essayé, ils ont fait un très beau boulot, Parce que s'ils avaient créé un épisode, disons comme le. mais en fait, Tu c'est vois, ça. un truc dans cet C'est non, esprit-là, mais un le Lost truc, c'est que Veronica, je pense qu'ils seraient sûrement tout en haut, Mais peut-être, le truc, c'est possiblement. que ils ont fait un très bon jeu d'horreur, mais comme ils ont voulu l'incorporer un peu en mode Resident Evil, puisqu'ils l'ont appelé Resident Evil 7, bah je sais pas, ils ont fait des trucs un peu bizarres. Ils ont rajouté le côté des bouseux, enfin des trucs bizarres Les consanguins. pour dire que non, les trucs qui sont des murs, là, qui sont collés sur des murs et qui viennent, là, Ah oui, et oui, les gluants, là, et pour faire un côté, oui. Ouais, donc des tas c'est de des monstres. zombies, c'est des monstres, tu sais, des trucs un peu bizarres. Ouais, non, mais ils savaient plus quoi faire. Tu sens j'ai peur pour le 8 justement à cause de ça, parce que tu sens la panne d'inspiration quand même plus on avance en termes de Resident Evil, pas en termes de jeu d'horreur. Ah bah là Parce que là même je le vais côté faire survival, il y avait un peu quoi. ouais, là je vais faire Là, un c'était truc présent au où début. je mets un bruit de zombie et là on va parler vite fait du 8 Bah voilà, avant de se quitter. et de nos attentes de la suite en fait de ce qui des futurs jeux. Bah de toute façon, les deux jeux présents à venir, c'est Remake et le 8. Remake, normalement, qui serait du 4, Ouais, mais d'après les ça, rumeurs. Je crois pas que là, ça a été validé. Moi, j'aurais préféré que ce c'est. soit Code Veronica, perso. Et Parce que, comme je l'ai dit, c'est donc, un jeu que on j'aimerais va parler refaire. plus de Resident Evil 8. Donc, moi, j'ai envie que. Bah, vu ce qu'ils ont fait avec les remakes et tout ça, j'ai envie Bah moi j'aimerais qu'ils. qu'il se rapproche du 2 remake.
C'est ça, j'ai en envie termes d'esprit. qu'ils essayent de se re, de je voudrais Mais dans. qu'ils se mettent au niveau du 2 remake, qu'ils essayent de nous refaire de nous ficeler un bon scénario, un bon petit gameplay et Bah sans déconner, ils ont eu pas mal d'années pour se mettre en jambes quand même. Et d'accord. Tu sais quoi? Imagine un monde où le scénariste de Resident Evil, il y a Resident Evil, d'accord, il y a les jeux Resident Evil, mais le scénariste Ouais. ce serait Kojima. Pour le côté linéaire, enfin le côté histoire et tout ça, pas le côté les mecs sont un peu Oui. les mecs qui Non, volent non, oui. Alors j'ai envie de te dire, ce serait fou parce que vu déjà le bordel qu'ils ont réussi à nous faire sans avoir Kojima dans la team. C'est vrai. Mais en fait, le problème de Resident Evil, c'est que comme le jeu, il a bientôt, l'année prochaine, finalement, il aura 25 ans, Ouais. en 2021. Finalement, je pense qu'il y a ce problème où il y a eu, bah, de toute façon, Shinji Mikami, il est plus là, hein, créateur de la série, on en a pas parlé, mais C'est ça. je pense que les équipes, elles ont tellement évolué dans le temps qu'ils n'ont pas tous la même vision, qu'ils doivent avoir un cahier des charges en plus. Je pense que ça a posé problème dans l'évolution de Resident Evil, qu'ils ont voulu peut-être aussi écouter le public et que le Bah c'est public, ça en bah, ils fait. les ont T'écoutes le étudiés dans public, des. t'essayes de t'essayes Je pense que c'est problématique tout ça. t'essayes de faire partie t'essayes de faire un comment on appelle ça? Bah t'essayes de coller avec les nouveaux standards des jeux vidéo en fait, les nouveaux jeux d'action, Alors les nouveaux trucs. je vais te dire un truc, le problème c'est que le 7 c'est très très bien vendu, donc c'est ce qui me fait peur. Oui, bah Donc non mais parce j'ai que peur que le 8 j'en serais pas non plus. c'est le côté virtuel et Et tout ça qui ouais, mais je c'était pense que même sans il ça, je déglinguait en pense que fait au c'est point bien de vue vendu. virtuel mais parce que oui, c'était un Resident Evil parce que beaucoup de gens attendaient Resident Evil et que c'était une nouvelle expérience et tout ça et que Moi j'attends un vrai Resident Evil, quoi. Voilà, mais je veux je qu'on me pense qu'il s'est revienne. non en fait je pense qu'il s'est bien vendu en tant que jeu d'horreur, pas en tant que Resident Evil. Je pense Ouais, que non, je suis les mecs d'accord se pour moi sont pas aussi. dit ouah putain c'est Resident Evil et tout, Ouais, j'adore mais la les licence, on développeurs, va ils y vont se aller dire ça a machin. marché. On en a vendu des millions et des Oui, millions, non, mais faut pas après, l'oublier. c'est grâce aux streamers et tout ça. Les mecs se sont jetés sur le jeu, les Ah bah gens. ça, oui. Voilà. Et par contre, le truc qui pourrait refaire un regain d'intérêt pour Resident Evil, et j'espère que ça va marcher, c'est la série Netflix qui va arriver en fait. Ah oui, c'est vrai, tu m'en parlais un peu avant en off. C'est pour Oui, ça la que série. je voulais Bah, le caser j'attends à la beaucoup fin en fait aussi. pour dire. J'espère qu'on n'aura pas de Alors, mauvaises surprises. j'espère que ce sera vraiment Moi, j'espère que ce sera du niveau des films d'animation. basé sur les voilà du niveau des films d'animation, basé Dans sur le cet esprit-là. scénario du vidéo et pas un truc qui se pointe comme les films avec Milla Jovovich en fait où les mecs ils se sont dit Bah, on aura peut-être bientôt la réponse, on hein. fait ce qu'on veut et oui c'est ça en fait on n'a pas vraiment de je crois que j'avais lu après je suis pas sûr hein, mais je crois que j'avais lu que les mecs disaient on va plus s'intéresser aux jeux vidéo qu'aux films Normalement, ouais, c'est pour ce la que j'avais lu série. aussi. Donc Bah, j'espère qu'ils vont pas prendre les films, par contre. non, je pense que S'il si vous les mecs, plaît. je pense que les mecs vont S'il vous plus plaît. partir sur le côté J'adresse une prière scénario à du jeu peut-être vidéo. En un. plus, avec Certes, on a fait un classement dégueulasse, mais quand même, oui, respectez-nous. en plus tu regardes sur internet, tu prends chronologie Resident Evil. T'as le scénario, enfin t'as les mecs avec les hash Ford, les trucs, t'as tout le truc. Bah en fait, bah d'où le fait que moi j'ai choisi cette image, c'est pour montrer le nombre de personnages que la série représente, que ce soit Ben voilà. gentils, méchants, les monstres. C'est ça. Je pense qu'il y a un lore tellement intéressant dans cette série que je trouve que ce soit dommage que Capcom, bah, déjà avant eux, se soit un peu jeté à gauche à droite, Et balançant des petites miettes, j'espère. tu vois, comme ils ont fait dans le J'ai. 7, Ouais. balancer une miette et dire voilà, alors qu'ils auraient pu en faire quelque Et chose. j'espère qu'ils vont pas se foirer au niveau de la série, parce que avec un univers comme Resident Evil, une série Tu pourrais en faire Netflix un JRPG là par Resident Evil, le truc, tellement il y a aussi, un lore quand ouais. même Non mais intéressant de aussi base. en plus que ce soit une série Netflix avec le lore des jeux vidéo de Resident Evil, ça peut faire une série, voilà, ça peut faire un Ah bah bon, espérons, hein. ça peut faire un bon truc. Et avec le côté plus, tu sais, complotiste et tout ça, que plus le côté, on se focalise sur les zombies, la Walking Dead, quoi. Mais tout en étant dans le monde Resident Evil. Donc ça peut être,
Ouais, ça pourrait être une bonne série. Après, faut voir. Faut voir. J'espère, franchement, j'espère que pour moi et pour les gens Bah tant que qui. j'ai rien vu, j'ai envie de dire je veux y croire. J'ai envie de dire pour moi et pour les fans, j'espère que la série sera bien en fait. Et j'espère que le prochain opus. Le prochain opus. Bah, J'espère que ce ne nous sera pas fera envie totalement un quoi. 7. Pas le Disons que ce truc. sera un 7, mais dans l'idée que j'ai dit, que ça reprend un peu du Resident Evil, quoi. Et pas juste nous donner Bah, une en petite fait, dose avec comme ce qu'ils ça. ont fait avec le Resident Evil 2 remake, enfin la technologie remake qu'ils ont. Ouais, sauf que le prochain, ce sera sur une nouvelle technologie, parce qu'on sera sur une nouvelle gêne. Donc, pour ça que Peut-être, moi, c'est ce que. peut-être. Bah, c'est pas avant 2 ans, donc j'y crois pas que ce Bah soit. là, ils Après, ça peut être avaient entre gêne, à part ça. avec le Resident Evil 7, ils avaient leur moteur, ils avaient le Resident Evil Engine ou je sais plus trop quoi comment ils l'avaient Oui, appelé. ouais, mais j'imagine qu'il va falloir le retoucher pour la new gen, donc. Après le Resident Evil Remake, je ne sais plus c'est quoi leur moteur, mais c'est peut-être le RE7, le Resident Evil Ben, il me semble que Engine. c'est le RE Engine aussi, hein. Il me Ben semble que voilà. quand tu lances Alors le jeu, t'as le nom, s'ils ont je le crois. avec leur nouveau moteur Resident Evil Engine, j'espère qu'ils vont nous faire un bon truc qui Moi, je veux la va. flip du 7, mais je veux qu'on reste dans un univers RE. Voilà, un peu Ah mais comme dans le pas. RE2 remake, comme tu dis, je veux pas de l'action à foison comme le Oui, voilà, 3 où le bah RE2 voilà, tu remake, survoles, tu passes, c'était pas t'as une mal, bonne quoi. Le expérience, mais tu côté, oui. il faisait noir, t'avances dans les couloirs, C'est ça, machin. ouais. Il faut Des ce besoin petites de énigmes, des trucs comme ça. claustrophobie, ouais, un peu d'énigmes, parce que c'est ça aussi la bonne Faut revenir délire. aux origines, quoi. Le puzzle fait partie de l'ADN. Ah bah carrément, Faut pas carrément. l'oublier, Faut revenir malheureusement. aux origines, quoi. C'est le truc, hein. Pour moi, ouais, si Resident tu Evil 2. veux. Franchement, Resident Tu peux Evil en 2, faire quoi. quelque chose. Ouais, tu peux en faire quelque chose. Je dirais que Resident Donc. Evil 2. Bah, je dirais plus Resident Evil 2 Bah, c'est pour ça Remake. qu'il est dans le top, hein. Il reste. Voilà, il est dans le top, quoi. Alors, avant de finir, je vais faire un. Comment dire? Bah, un résumé du top, hein, donc, avant de se quitter. On est à 2h36. Donc, je vais partir de la fin. Bon dernier, Révélation 2. Pour certains, il est un petit peu au-dessus, mais pour nous, non. Resident Evil 4, avant-dernier. Donc, 9e. Le 8e, Resident Evil 7. Le 7e, Resident Evil 6. C'est dur à dire parce que c'est des chiffres qui seraient. Resident Evil 7, il est 8e. Resident Evil 6, il est 7e. Arrêtez de m'embrouiller. 6e, Révélation, premier du nom. J'aurais bien. 5e, RE0. Ouais. 4e, RE5. Bien que le 6, je Et l'aurais mis pour avant le. Révélation, mais quand même. Non, monsieur, vous n'y avez pas Mais joué, j'y ai pas il faut joué, c'est pour ça savoir. en fait, j'ai pas Voilà. le. Non, 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 je veux bien accorder. Putain, mais déjà le 7, il devrait quand même être les. Ouais, c'est compliqué parce qu'on ne le considère pas comme un pur Resident Evil juste parce qu'on nous a acheté 2 miettes. Et je suis totalement d'accord avec ça et ça m'a tellement dégoûté, moi. Non, mais par contre, non, je peux pas mettre le 6. Déjà, je suis gentil, je l'ai Bon voilà. accordé au-dessus du 4. Donc Excusez-moi. t'es quatrième alors. Donc on arrive. Non, on est dans le top 3. Ah, on est dans le top 3 Top déjà? 3, Véronica. Ouais. Bon, Véronica. Top 2, RE3. Donc je Ouais. rappelle que ça comprend les portages et remakes. Et sur la première marche ex aequo, RE1, RE2. RE2 Et remake. forcément, je mets RE1 devant quand même. J'ai mis un petit slash avec RE1 en premier. Ah, t'es premier dans mon cœur. Tu le seras toujours. À chaque fois que je te vois, à chaque fois que je te touche, j'en peux plus. J'ai ma culotte qui mouille. Ah, moi Je fais c'est le pipi. 2, mais bon, voilà, Ouais, mais. Mais je pense enfin que c'est le 1 aussi, la hein, même mais ouais, veine. le 1 et le 2 ils sont. Ouais, mais c'est la même veine. Et Oui, j'avoue que c'est non, ça. le remake du 2, ils l'ont pas chié, ils ont fait quelque chose de Puis, vraiment intéressant. comme diraient les jeunes, hein, c'est le sang de la veine, quoi. Voilà. On a grandi avec, on les a tellement bouffés. Ils ont à peine quoi, 2 ans d'écart, je ne sais plus, entre les deux. Tu Je veux dire, te rends compte? c'est Tu pas ouf, quoi. te rends compte qu'on avait créé une histoire Solus de Resident Ah Evil. oui, ah oui, c'est vrai qu'on avait fait la Story Solus des R1 à l'époque. C'est pour dire à RE1 quel point. Director Cut. Mais c'est pour ça que le 1, il est plus dans mon cœur, personnellement. Il y a toutes ces petites histoires. Je veux dire, c'est une expérience tellement incroyable pour moi. Alors je ne sais plus où il est, je crois que je l'ai jeté il y a quelques années, mais seulement quelques années.
J'avais gardé pendant longtemps ce truc-là. Mais c'est ouf, quoi. Ou je crois que je l'ai C'est même quelque chose. encore, je ne sais même plus, pour Je te dire. pense que c'est quelque chose qui a marqué ma vie, Raisin. Ah mais En tant que joueur. Resident Evil, c'est. C'est grâce au 1. Et je l'ai redécouvert avec un robber, je veux dire, qui magnifiait l'épisode Ah bah moi faible de tout. j'ai pas fait le Rebirth en fait, j'ai fait C'est peut-être pour le ça. comme je disais, j'ai fait le T'es passé directement au HD j'ai fait le Remaster, quoi. HD Remaster en fait. Donc moi c'était une nouvelle. Ce qui était bien c'est que quand Bah, je c'est l'ai le même, fait, hein, techniquement. c'est le même, mais il y avait plus de salles, il y avait plus de trucs. Non, mais Pour je moi veux ça a dire, été c'est une le même que re... le Rebirth. Oui, c'est ça. Et pour moi, comparé à celui que j'ai fait, j'avais fait le 1 sur PlayStation et sur Sega Saturn, pour moi c'était une redécouverte du jeu en fait. Et ça m'a fait kiffer Ah quoi. non mais je suis d'accord, justement. Mais moi aussi, c'est pour ça que je voudrais le faire, parce que Et le HD après Remaster, ce qu'ils ont fait avec le ça fait longtemps que remake, je ne l'ai pas fait. après ce qu'ils ont fait avec le remake du 2, bah voilà quoi. Bah, c'est ce que j'en attendais, Resident Evil, sans prise de tête. Le Bah, ils ont ré... montré qu'avec un potentiel grand, ils pouvaient faire quelque chose. Mais c'est juste que maintenant, en fait, ils savent pas quoi faire comme ils. Je pense que leur problème, il est là. C'est ça. Ils galéraient déjà à recoller tous les rails, à créer tous les trucs. Et il y a tellement de personnages que je pense que maintenant, quand ils prennent un épisode, en plus, si tu lui donnes le nom du 8 pour eux, bah forcément, la logique veut que ça se passe après. Donc, qu'est-ce que tu racontes après, au bout d'un moment? C'est ça le Oui, problème, c'est que c'est compliqué, hein, c'est parce que déjà, dans le compliqué. 6, c'est le bordel, hein, Bah excuse-moi, après, il faut il y a des zombies inventer, faut partout. inventer une nouvelle menace, mais qui vient d'un ancien protagoniste ou d'un truc qui fait revenir quoi. C'est ça. Mais comment on appelle ça? Ouais. Resident Evil, c'est la vie. Mais après, faut qu'il se stoppe là, avec les remakes. Après, peut-être un remake de Code Veronica, mais pas un remake du 4, pas du tout. Bah si. Ouais, bah moi je trouvais que le. Alors je vais te dire, le 4, je trouvais Et qu'il est en plus, c'est sorti les gens qui sur arrêtent tellement pas de de supports, les demander gens des ils ont tellement remakes. payé. Ils ont Et tu sais, c'est quoi pour moi tellement demandé de remakes. Mais je pense qu'un remake du Code Veronica, ça ferait découvrir en plus le Veronica à Oui. des gens. Non, Parce mais que je je suis suis sûr qu'il y a d'accord. beaucoup de gens qui n'ont pas connu le Veronica en fait. Mais justement, je suis tout à fait d'accord. Pour moi, tu pourrais jouer un Veronica dans de bonnes conditions. Alors que si c'est vraiment prouvé que c'est un remake du 4, je trouverais ça scandaleux, parce que le 4, on t'en a fait payer un portage, même sur la gêne actuelle. Ouais. Donc ça veut dire que les mecs, tu leur fais payer un portage. Et 3 ans à peu près après, tu leur dis, ah bah les mecs, on vous a fait un remake. Allez, repayez 60 balles, repassez à la caisse. Non, il y a arnaque quelque part quand Et même, puis Capcom. À un moment, il faut se calmer. je suis pas partisan du truc de on s'est fait une bonne collection de jeux, on sait que les gens les aiment, au lieu d'en refaire un, on fait des remakes. Tu vois, le 1, on te le vend Parce que 5 balles. Ouais, mais. après, s'il va se passer quoi? Le mec, ils vont faire un remake du 4, après, ils vont vouloir un remake du 5. Bah non, Je préfère qu'on me mec, fasse un bon arrêtez. remake comme le 2, qu'on me sorte un jeu qui m'intéresse pas, quoi. Franchement, le meilleur remake, ce serait le Code Veronica, ou sinon, vous faites un Resident Evil 8, mais vous faites du RE2, quoi. Enfin, dans la veine du RE2, Oui. quoi. Revenir Non, mais au c'est ça. Pour au revenir aux truc, hein. sources un peu. Revenir aux sources. Et je te dis, justement, c'est ma C'est déception pour de ça que Révélation, parce que tu as ce sentiment de un revenir aux remake de sources. Veronica, ce serait le. Bah, je pense que ce serait le top avant Ce serait le top. de passer sur dans cet esprit-là, justement. Parce que j'ai peur que, justement, si on nous fasse un 4 qui parte sur le délire de garder le 4, de se dire, ah, regardez, on a fait un 4 avec un peu d'action, c'était cool. Ouais. Donc, je sais pas. Bon, bah on va se quitter là, Monsieur Butters, On parce va que mine de s'arrêter rien, là, ouais. presque 3 heures pour parler de Resident Evil, mais je pense que Ouais. c'était. Je crois que c'est l'épisode le plus long, j'ai un doute. Ah bah ouais, Parce mais que comme j'ai. en même temps, on parle de nos passions, donc forcément. C'est vrai, c'est compliqué. Voilà, c'est cadeau, c'est pour le confinement, c'est les derniers jours de confinement, je pense, quand je l'aurai uploadé pour moi. C'est un petit bonus comme ça, partager 3 heures de notre vie, de parler de notre saga favorite. Je pense que c'est une des sagas qui a marqué notre vie en tant que joueur. Il y en a d'autres. On pourrait faire sur Final Fantasy ou sur le JRPG par exemple. Ouais, Mais ce serait un peu plus mais. compliqué. Mais je pense que là, il y avait un peu moins d'épisodes. On peut en discuter. On aurait pu se bastonner sur quel est le meilleur Final Fantasy. Mais Ouais. ça va être compliqué aussi. Bah merci à toi, Monsieur Butter. Ça me fait plaisir de t'avoir encore reçu dans ce nouvel épisode de Pacte avec le Diable, de parler de choses qu'on aime. On a pu dire, bah justement, pour une fois, on a respecté l'esprit Pacte avec le Diable, parce que on a défendu le bien et le mal dans chaque épisode.
Ouais. Ah tiens, merde, c'est vrai que j'aurais dû mettre pad au lieu de podcast. On a été tous les deux dans le, comment dire, dans le, dans, on a été tous les deux avocats du diable selon le jeu. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on a été à tour de rôle. Et C'est c'est vrai. plutôt cool. Pour une fois, c'est pas dans un épisode où ça change. Là, c'est à tour de rôle, on a pu l'être selon le jeu. Donc j'ai trouvé cet épisode sympa pour ça. Mais la franchise, voilà quoi. Elle me... Voilà. Et quand En j'entends règle notre scénario, j'ai générale, envie de mettre ça. j'ai jamais vraiment. Enfin, je suis pas déçu quoi. Moi non plus, si je prends la globalité. Si tu Mais prends voilà, le j'ai lore fait et tout, retentir. franchement, au niveau du lore et tout ça, c'est cohérent, c'était pas mal. Franchement, pas déçu. Non, ouais, en fait, le truc, c'est qu'il y a une étude à faire du lore de Resident Evil pour comprendre vraiment tout et remettre toutes les pièces du puzzle en place. Il y a quelque chose d'intéressant, en fait. C'est ça qui me tue. C'est que si tu traverses, ah, t'effleures les jeux, même en y jouant, lisant toutes les notes et tout, malheureusement, t'auras du mal à remettre toutes les pièces du puzzle et tu passeras à côté peut-être de quelque chose d'intéressant. Et surtout que Et si tu on regardes arrive sur bien, le problème du 7. la plupart des notes, c'est des notes qui concernent des gens lambda Ouais, mais t'as des petits bouts d'histoire. au moment où ils découvrent les zombies, enfin là où ils sont en fait. Quand il se transforme tout doucement, ou Quand ce genre de notes de oui, scientifique, par exemple. comme le mec qui disait va aller. Pour le côté virus, science, t'as le côté scientifique, mais quand dans Resident Evil 1 où t'as le gardien qui dit je me grade, j'ai de plus en plus faim et tout ça, Mais c'est ça, t'as des petits trucs marrants, voilà, quoi, où t'as les mecs c'est qui. sympathique. Où Quand t'as ça se prend les. pas trop au Dans le sérieux. 2, dans le commissariat, où t'as le mec qui dit oui, on a arrêté un mec, il a des attitudes bizarres, machin. Le lendemain, tu vois qu'il a marqué. Bah, au début, c'était un esprit Romero, Il y a eu des les zombies. agressions, il y a un mec qui s'est fait tuer et tout ça. Au début, t'as un esprit film des années C'est ça en fait. 70-80, des Ou films après, de zombies t'as le qu'on a côté. perdu en cours de route. On ne sait pas pourquoi, mais il a croqué, il a mordu un de nos hommes. Depuis, bah, il n'est pas bien, tout ça, machin. Et après, tu tombes sur vraiment des petites pépites où tu dis. Ah putain, il y a lui qui est impliqué, ça fait partie d'Umbrella, machin, tu sais que ça te rajoute des trucs dans le lore. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a les petites histoires comme ça où il y a les gens, comment ils ont vécu le truc, quoi. Mais tout à... Non, mais je suis d'accord avec toi, il y a des trucs sympas. Parce que c'est vrai qu'on l'oublie rapidement. Les gens qui... Oui, on oublie les gens Généralement, qui vivent ça, en fait. petit à petit, tu joues, quand tu fais plusieurs runs, finalement, souvent tu vas de plus en plus vite, tu zappes les Ah cinématiques, bah tu zappes les tu notes. zappes les notes, tu Quand zappes tu... Enfin, tout en fait. on est d'accord là-dessus, ce qui Et il y a même finalement des tu pièces perds que tu fais pas. ce petit fil. Mais oui, voilà. Mais tout à fait, souvent tu rates peut-être aller à 10% ou 20% du jeu par moment parce que bah, tu passes à côté de trucs qui te sent, tu sais que c'est futile. T'en as plus l'intérêt parce que tu te crées une route optimisée et tu essayes de finir le jeu bah, soit le plus vite possible pour des défis, pour des trucs. Et puis En fait, tu joues plus avec un système de défis que de scénario. Le Tu must, sais que ça passe après. ce serait de finir le jeu le plus rapidement pour avoir le lance-roquette. Et après recommencer le jeu Dans les... Ouais, voilà, c'est pour ça. essayer de le finir encore plus vite Non, mais tout à fait, ouais. avec full roquette. Mais je pense que c'est un peu de la faute aussi à Capcom, parce qu'ils l'ont voulu en créant les mécaniques du jeu Non, mais c'est comme dans dans tous les certaines jeux, strates. c'est comme dans tous les RPG et tout ça. Non, mais je Moi, parle par rapport au bonus. oui, c'est ça. Mais Tu sinon, vois? tu sais, comme moi, avant de commencer les Resident Evil, j'ai quand même commencé avec des RPG. J'ai le côté, je fouille toutes les maisons, je fouille tout partout, tout Bah, ça. je suis... Oui, je Donc suis pareil en quand général. j'arrive dans une pièce, voilà. Après, ils ont rajouté un système de, tu fouilles une pièce, tu t'es dans une pièce, tu sors. Si t'as pas tout fouillé, la pièce apparaît en rouge sur ta map. C'est ça. Oui, Donc tu parce peux que te là, ils te dire, disent si t'as exploré, si t'as ouais, voilà, exploré à t'as 100%, exploré ou si la porte, ou elle est si t'as tout fermée. fait. Donc ça, c'est cool. Tu peux te dire, ah, tiens, c'est encore rouge, j'ai oublié quelque chose. Ah non, Donc mais de tu toute peux y façon, retourner Resident fouiller. Evil de base, c'est un jeu d'exploration. Ah bah carrément, bah carrément. Autant il y a des zombies, autant Justement, dans le tu veux 7, c'est comprendre peut-être un un peu peu. ce que tu perds, c'est que c'est vite fait parce que tu es dans vraiment des petites zones cloisonnées. Oui, bah Et tu t'es perds. dans une maison machin, tu fouilles, mais après t'as vite le côté, bah t'as le mec qui te poursuit, t'as des trucs bizarres et tout ça, donc je pense que tu fouilles un peu moins, mais
Ouais, Mais après, je dis qu'on devrait s'arrêter là, monsieur. Non, après, Deux selon comment tu joues, en plus, si t'es un peu bourrin, tu vas fouiller parce qu'il te faut des balles au bout d'un moment. Voilà. N'hésitez pas à donner votre avis, votre top 3. Voilà moi ce que j'en dis. Oui, Donnez-nous votre donnez votre top top 3 des 3 Resident ever. Evil. Ça, ce serait marrant dans les commentaires. Voilà. S'il y en a, s'il y a des fans de Resident Evil Ça nous ferait qui arrivent plaisir. jusqu'au bout, j'ai envie de dire qui arrivent jusqu'au bout, parce que nous supporter 3 heures, c'est pas marrant. Faites gaffe. Même ton jogging, t'as plus le droit de courir 3 heures maintenant, c'est 1 heure, on te propose maximum. Donc en confinement, donc c'est mal barré. Je veux dire, à moins que tu vas faire 3 joggings et tu te les cales à chaque fois, d'accord, là pourquoi pas. Ah Mais oui, c'est compliqué. un au matin, l'après-midi, un au soir. Mais en tout cas, s'il y en a qui ont été jusqu'au bout, j'ai envie de dire chapeau à eux, merci pour le soutien, parce que bah, mine de rien, il y a quelques écoutes sur Pacte avec le Diable, et ça fait plaisir selon les... J'ai remarqué que DBZ, par exemple, ça marche mieux que certains titres. Allez savoir pourquoi. Pourtant, c'est cool. Je C'est veux dire, vrai. on parle de tout. Bah là, Et Resident puis on va pas. Evil, peut-être C'est que. sympa. Peut-être que Resident Evil, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, ça pourrait plaire à plein de gens. On ne sait pas. Voilà. Donc En tout après, cas. on s'excuse si on a été un peu long à démarrer. C'est une possibilité aussi. On était un Butters peu long, mais voulait bon, après, absolument tout nous raconter. si vous connaissez, si vous nous écoutez un peu. Et puis, on s'excuse aussi s'il y a des petites erreurs ou des petites Oui, ouais. des maldites. Parce que bah, on se rappelle pas tout. J'avoue que pour une fois, moi, j'ai fait Déjà d'une, on se rappelle sans pas notes. tout. Dès on parle avec J'ai fait 100 notes, hein. on J'ai parle joué avec récemment à passion et quelques-uns puis des moi jeux. ouais moi la même et puis voilà quoi c'est nos goûts à nous c'est nos trucs on parle C'est un tranquille classement, ouais, voilà, c'est ça, c'est plus un vécu à travers les jeux, et c'est un double vécu, donc c'est un peu plus compliqué. Parce que je pense que si on avait pris séparément, il y a quelques jeux qui auraient différé. On n'aurait peut-être pas obtenu exactement ce classement, surtout vers la fin, je pense. C'est Il vrai. y a deux, trois jeux qui auraient peut-être changé, ça aurait été les chaises musicales, ils auraient été. Donc voilà, bah, en tout cas, on va se quitter ici. Merci encore une fois à toi, Butters. De rien, de On se rien. retrouve pour un prochain pas de... J'ai envie de dire, je ne sais pas, bonne question, sur quoi traitera-t-il? On pourrait parler de Star Wars un jour, on l'avait dit. Un jour, faudra faire ça, ouais. Un jour, il faudrait faire Star Wars. Mais bon, Qu'est-ce que ça pourrait faire? comme ils sont pas prêts de s'arrêter, quand est-ce qu'on Alors pourra là, mais faire? justement, on a une tri séparée en trois, ça C'est pourrait être vrai. sympa. C'est vrai. Pourquoi pas? Donc voilà, bah on se quitte ici, merci à Ouais, tous, on va s'arrêter là. on se dit à la prochaine, vous pouvez nous retrouver bah, Butters sur Twitch, sur sa chaîne comme actuellement, ou sur nos chaînes YouTube dédiées. Voilà, merci, un grand merci à vous. Ciao, ciao les amis. Ah, ciao les amis. Portez-vous bien et faites attention au déconfinement, prenez soin de vous. Ouais.